Et bonjour à tous et toutes. Bonsoir, bonsoir. Rebonsoir, c'est reparti pour un tour. Alors déjà, la première chose que je vais vous demander, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai essayé de remettre le son un peu du direct, voilà. Le son est go, super. Alors attendez, parce que moi j'ai plus le son de la. Pourquoi j'entends plus Ok, ça marche là. Est-ce que j'ai coupé mon son? Ah non, ok. Ah si, c'est bon. Ok. Eh bien, bonsoir à tous et toutes. Eh bien, comme on dit, c'est reparti pour un tour. Et bon. Niveau météo, ça a l'air moyen pour l'instant. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes à 48 minutes 49 sur le. Comment? Désolé, c'est le stress du début de live. Sur le live SpaceX NASA. Pour l'instant, on est en no-go. Merci à Edendal d'avoir offert des abonnements. Merci, merci, merci. Et d'ailleurs, ceux qui ont reçu leur abonnement, n'oubliez pas de dire merci à Edendal. Alors, je vais mettre le son. Donc, alors, merci Terrania aussi. Oh là là, on commence bien. Alors, pour l'instant, au niveau de la météo, je ne sais pas trop où nous en sommes. La dernière fois que j'ai checké, que j'avais le live dans les oreilles, on était à no-go à cause de la météo. Donc pour l'instant, c'est à voir. On attend un petit peu. Ça y est, c'est reparti. C'était déconnecté. Attends, j'écoute. Ok. Alors merci, j'ai pas eu toutes les notifs, merci pour les follow, merci pour les abonnements, merci, merci. Alors je crois, alors d'après ce que j'ai entendu, on est toujours bon pour le décollage, je sais pas trop encore, j'entends pas très bien. Donc je vous disais, donc je résume un petit peu la mission pour ceux qui n'étaient pas là mercredi. Donc là, nous sommes, donc c'est la mission démo 2 de SpaceX en partenariat avec la NASA. Donc pour le NASA Commercial Crew, donc c'est-à-dire que la NASA fait appel à des entreprises privées comme SpaceX et peut-être Boeing plus tard, pour envoyer des astronautes vers la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui, c'est le deuxième vol de test officiel de SpaceX pour valider, entre guillemets, le fait qu'ils puissent envoyer des astronautes à bord de l'ISS avec leur nouvelle capsule, la Crew Dragon, qui est la version habitée de leur cargo Dragon. Donc ici nous avons donc deux astronautes, donc nous avons Doug Hurley que vous voyez au premier plan et Bob Behnken qui est plus au fond, qui sont des anciens, enfin des astronautes qui ont volé sur les navettes spatiales. Donc Doug Hurley, il a fait la dernière mission de navette spatiale donc en 2011, donc STS-135, et Bob Behnken, attendez j'ai mon anti-sèche, j'ai mes cartes spéciales. Il a fait STS-123 et STS-130 sur Endeavour. Voilà, désolé, c'était mes anti-sèches, carte très stylée, comme vous pouvez le voir. Et donc là, le vol a été reporté aujourd'hui pour cause de météo. Donc, j'espère pour eux, très sincèrement, que ça décolle aujourd'hui, parce que bon, à chaque fois, devoir réenfiler tout ça, sa combinaison, et revenir au launchpad, c'est pas la joie, on va dire. D'habitude, normalement, quand on part vers un pas de tir et qu'on monte dans la fusée, normalement, on n'est pas censé en ressortir. Après, avec les navettes spatiales, c'était autre chose.
En parlant de launchpad, nous sommes, enfin, la Falcon 9 décollera depuis le pad de tir 39A, qui est le pad de tir historique qui a vu décoller la Saturne V des missions Apollo et toutes les navettes spatiales. Au niveau timeline, alors je vais vous mettre ça là, timeline. Voilà. Donc, on est officiellement donc à 45-44 minutes du décollage. Ensuite, 12 minutes, le lancement, après le décollage, le premier étage se détachera pour revenir sur Terre. Donc, on verra ça en live si ça décolle aujourd'hui. Et 12 minutes après le décollage, la Crew Dragon se détachera du deuxième étage de la fusée pour ensuite prendre route vers l'ISS. Donc là, vous pouvez voir à l'écran que le Crew Access Arm, donc le bras d'accès à la capsule, est en train de se détacher. Et ensuite viendra le remplissage des réservoirs en ergol. Donc les ergols sont le carburant de la fusée. Et on verra ça d'ici peu. Alors, je vais inviter à me rejoindre Isabelle de Rêve d'Espace. Alors, Isabelle, es-tu là? Alors, je ne sais pas si Isabelle m'entend ou pas. Alors, attendez. Alors, est-ce que vous entendez Isabelle ou pas? Moi, je ne l'entends pas. Alors, je vais me déconnecter et je vais me reconnecter. Allô? Oui, allô. Oui, ça y est. Oui. Salut. Donc, tout le monde. Isabelle, qui est ingénieure et également blogueuse, donc son blog Rêve d'Espace, son blog est vraiment super, très complet, vraiment une des professionnelles de l'actualité spatiale. Oula. Dans le oui. Professionnel, c'est Olivier. Et je vais donc également inviter Olivier Sanguy, qui est rédacteur en chef de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous rejoindre? Oui, normalement. Oui, salut Olivier. Salut. Comment ça va? Eh bien, ça va, j'ai vu qu'officiellement Weather is Go. Ah, ça y est? Oui, oui, oui. Ah, trop bien. Attends, n'oublions pas, on est dans le... Super. Bah, c'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs, normalement on est go. Donc, pour l'instant, 70% a priori. Ah, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux, quand même. Après le mission control, ils ont eu l'approbation de démarrer le chargement des carburants dans la Falcon. Ah, trop bien. Ouais. Et du coup, nous avons également, donc il y a Alexandre. Donc deux membres de PogScience, donc il y a Alexandre qui est en prépa et qui a peut-être rentré en école d'ingénieur et qui a assez calé tout ce qui est rocket science ou fuséologie. Hein. Et nous avons Olivier qui est président du Lage Jeudi Bordeaux. Donc le Lage Jeudi, c'est un rendez-vous tous les derniers jeudis du mois qui rassemble tous les space geeks de chaque ville. Donc il y a à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, Strasbourg, Cannes et je sais plus, avant il y avait Lille, je crois. Angers. Et Angers maintenant. Donc là, Angers, malheureusement, à cause du malheureusement à cause du Covid, Angers n'a pu en faire qu'un seul en physique. Donc voilà. On croise les doigts. À tous. Le président est un bien grand organisateur, président, you are the only one pour le... Non, il y a Isabelle aussi, quand il parle de l'Azur. Oui, Isabelle également, organisatrice du Lage Jeudi à Toulouse, qui se passe à l'Heure et Café, pour l'instant, on le fait en ligne, on organise tous les Lage Jeudi en ligne, sur Discord. Donc, je crois que le lien du Discord est en dessous, en fait, il me semble que si je fais Discord, est-ce que ça marche ou pas? Voilà. Donc, en le Discord de l'espace intergalactique. Effectivement, on espère que fin juin, on pourra refaire en physique, on va dire. J'espère. Pour les gens qui sont dans les villes concernées. J'espère. On va voir ça. Eh bien, donc là, on est à 40 minutes du décollage. Je pense qu'on peut dire qu'on croise les doigts pour que ça parte. Hein. Comment vous sentez tous, mes chers invités, avant ce lancement? Comment vous le sentez? J'ai l'hype.
Like. On espère que ça va décoller parce que, mine de rien, tu dis pour les astronautes c'est éprouvant, mais je dirais pour les gens du Mission Control c'est encore pire en fait. Oui, c'est vrai, parce que. Moi j'ai eu l'occasion d'être, on va dire, de l'autre côté de la fenêtre. Enfin, quand tu es. Alors, c'était pour des satellites, mais quand tu es au sol et que tu attends que ton truc parte et que tu fais toutes les checklists depuis 24 heures. Et qu'à un moment donné, on dit no go et qu'il faut reporter et qu'il faut refaire, c'est quand même super stressant, compliqué, fatigant. Ah bah oui, oui. Surtout, c'est ça, c'est refaire, encore refaire et reporter jusqu'à ce que ça se passe, quoi. Donc c'est vrai que ça doit être... Après, au moins, on est sûr qu'ils connaissent leurs procédures par cœur, quoi. Mais c'est vrai que bon... C'est... En général, tu suis des procédures, tu les connais pas par cœur, parce que sinon, là, c'est le risque d'erreur plus fort. Mais ouais, c'est le problème de la routine après aussi. Ah, c'est ça. Ouais. C'est là que tu fais aussi d'autres erreurs. Quoi. Ce qui m'intéresse quand même, c'est que sur le dernier vol, tous les tests qu'ils avaient faits, ils étaient allés jusqu'au dry wet rehearsal, donc à faire tous les tests fusée vide. Mm-hmm. Mais le dernier coup, remplit en partie la fusée, pas le deuxième étage complètement, parce qu'ils sont arrêtés avant le chargement de l'oxygène liquide, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, ça sera le prochain point météo à -16 minutes, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Là, ils peuvent vraiment tester sur un peu plus loin en commençant en activant le mécanisme d'éjection automatique pour que dès que les carburants sont. Voilà. Et nous sommes de retour. Et c'est bon. Nous sommes à nouveau en live. Ça y est, en fait, j'ai juste ouvert ma porte. Et le... C'est bon, nous sommes de retour. Désolé, c'était Internet qui... parce que j'avais fermé la porte. Comme je suis à l'autre bout de la box, donc du coup, voilà, je suis désolée. C'est pas grave. Ton stream est toujours down, Whitney. Mon stream est toujours down ? Bah non, c'est pas possible, moi je suis en train de... J'ai rien dit, il est de retour. Ah, c'est bon ? Alors... j'étais pas content. Donc Olivier n'est pas content. C'est-à-dire, quand on est sur place, il y a une ambiance, hein, Isabelle peut aussi en parler, ou d'autres, hein, qui ont vu des lancements, on sent, il y a une espèce de... Il y a un petit jeu aussi, c'est d'essayer de deviner si les annonces officielles dans les haut-parleurs sont plutôt positives ou négatives. On essaye d'avoir honnête, c'est-à-dire la façon dont la personne qui parle pour la NASA annonce la météo. Alors, c'est peut-être une illusion, mais on essaye de savoir s'il est plutôt vraiment optimiste quand il dit que ça peut se faire ou si, en fait, pour lui, c'est que ça ne va pas se faire et qu'il veut rassurer. Enfin, il y a vraiment toute une ambiance qui se joue là et c'est assez extraordinaire. À vivre, ça peut être très stressant, surtout quand c'est un vol habité. Honnêtement, moi, les trois vols habités que j'ai vus, on pleure. Parce que le déferlement, l'émotion est telle que, enfin, moi, j'ai pas honte de le dire, hein, j'ai pleuré comme une madeleine. Après, c'est normal, c'est quand même un moment unique, quoi, à chaque vol, même si je sais plus quel vol tu es allé voir, enfin, auquel tu as assisté, Olivier, même Isabelle. Moi, Ouais. J'ai vu, donc pour moi, rapidement, j'ai vu deux décollages de navettes. À chaque fois, c'était un ami qui était à bord, c'est STS-116 puis STS-127. Alors pour STS-127, en 2009, on était en plus avec les familles, donc là, tout le monde pleure. Et ensuite, c'était comme Isabelle, c'était Thomas Pesquet depuis Baïkonour. Ok. Ouais, ça fait vraiment bizarre en plus. En tout cas, moi, j'ai vu qu'un seul vol habité, j'ai vu des lancements non habités. Mais bon, après Baïkonour, c'est encore une autre ambiance à mon avis, parce que c'est l'ambiance russe. En plus, c'était la nuit, il faisait froid, enfin voilà. Mais ouais, il faisait moins 18, donc voilà. Mais c'était pas chaud, c'était froid. Mais derrière, ce qui était très émotionnellement très bizarre, c'est que là, on voit la fusée, on voit la capsule en haut, on se dit, mais c'est tout petit, et il y a trois personnes dedans qui sont. On les a vus presque la veille.
Et oui, et en plus, il y en a un qu'on a l'air de connaître, quoi, qui a l'air d'être notre pote, quoi. Enfin, voilà, quoi. Oui, c'est sûr. Le live, voilà, c'est Thomas Pesquet, je l'avais rencontré avant le départ, donc du coup, ça fait vraiment quelque chose, quoi. Ah oui. Ah oui, surtout. Le live, a priori, un petit problème encore. Non, là, tout est bon pour l'instant. Je vous rapporte que ce qu'il dit au Mission Control, le chargement des carburants dans la Falcon a démarré. C'est ça, alors ça a commencé à T-35 minutes. Ensuite, la prochaine étape, donc à T-16 minutes. Donc là, ce sera la deuxième, le deuxième rapport météo. Et si tout va bien, si tout est go, le remplissage en oxygène liquide du deuxième étage devrait commencer. Donc n'hésitez pas tout au long du live à poser des questions. Alors je préviens juste à moins 30 secondes du décollage, je couperai micro et webcam et je vous mettrai tout en plein écran sans l'overlay pour que vous puissiez profiter au maximum du décollage et je mettrai le son à fond comme ça full délire, on pourra profiter de ça tous ensemble. Et je reprendrai l'antenne, enfin on reprendra l'antenne à MaxQ. Donc vous verrez un petit peu ce que c'est MaxQ, on vous expliquera. Merci JBBG737 pour l'abonnement, merci. Mais vous êtes fous! Alors, je suis pas sûre qu'on arrivera au train de l'hype, parce que le train de l'hype il est monté d'un certain niveau depuis la dernière fois. Mais c'est pas le but hein, non plus. Donc, mais merci beaucoup, merci. Eh bien, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses particulières que les gens veulent savoir, effectivement? Exactement. Est-ce qu'il y a des choses? Parce qu'en fait, comme on a énormément parlé mercredi, on a expliqué ce que c'était la Crew Dragon. Après, on peut également vous réexpliquer. Hein, y a pas de souci. On a expliqué un peu ce que c'était le NASA Commercial Crew. Par exemple, Olivier, si tu veux nous en reparler, par exemple, nous refaire un petit résumé du NASA Commercial Crew pour réexpliquer à nos très chers viewers un peu ce que c'est. D'accord, pas de soucis. Alors, version résumée, retour sur la Lune, on n'a pas assez de sous, on va faire appel au privé. Non, je plaisante, mais c'est presque ça. Donc, tout a commencé en 2003, après malheureusement la catastrophe de Columbia, les 7 astronautes à bord sont morts, la NASA dit qu'il faut mettre les navettes à la retraite. Une fois que l'assemblage de la Station Spatiale Internationale, pour cet assemblage des navettes sont indispensables, une fois que c'est fait, on arrête les navettes. Et à l'époque, il y avait aussi le retour sur la Lune version George W. Bush, programme Constellation. La NASA est face à un budget contraint, et elle se dit, pour dégager des marges budgétaires, je fais d'abord appel à des privés pour la desserte cargo de la Station Spatiale Internationale. Et c'est là que SpaceX arrive avec son cargo Dragon, enfin ça a pris plusieurs années, et la NASA estimait qu'ils avaient fait une économie de l'ordre de 2 à 3 fois. Cette logique de confier au secteur privé via des contrats de prestation clé en main et pas les classiques maître d'œuvre, maître d'ouvrage d'avant, va continuer sous Obama et on va basculer en vol habité. Et c'est sous Donald Trump, donc cette logique a survécu à 3 présidents différents, malgré l'annulation du retour sur la Lune, version Constellation, etc. Et cette logique aujourd'hui, on arrive aujourd'hui au premier vol, on espère que ça va décoller, confié à un opérateur privé dans le cadre d'une prestation de service. C'est-à-dire que la différence, ce n'est pas la NASA qui fait les plans du vaisseau, qui dit à l'industrie, vous me le fabriquez comme ça, qui fait les plans de la fusée, qui dit à l'industrie, vous me le fabriquez comme ça, le vaisseau m'appartient, je l'exploite de telle façon. Non, la NASA a dit, je veux des astronautes, mes exigences sont ça, ça, ça et ça, il y en a beaucoup, hein. La NASA regarde sous le capot, elle regarde si c'est sérieux, combien? Et là, les industriels, les privés, ont dit, bah, nous les vols, on les fait pour tel prix. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de faire le vol habité, il n'y a aucune agence spatiale au monde pour l'instant qui l'a fait. Exactement. Et donc pour ceux qui ne savent pas, pour ce nouveau contrat, ce nouveau programme, donc le NASA Commercial Crew, donc il y a SpaceX que vous avez aujourd'hui avec la capsule Crew Dragon au-dessus d'une Falcon 9, donc leur lanceur qui est le plus utilisé. Mais également il y a une autre personne qui, enfin une personne, une autre entreprise qui s'appelle Boeing. Oui, et avec donc, le Starliner. Et avec le voilà. Starliner, exactement. Alors, est-ce que on se fait un update Starliner Starliner, ouais. Isabelle.
Olivier, tu vas ou tu vas? Je sais pas. Ah, mais comme vous voulez. Je commence, tu concluras. Bon, le vol du Sunliner, c'est pas super bien passé, c'est très clair. Ceci dit, le vol d'essai, en décembre, pour être précis. S'il y avait eu des astronautes à bord, ceci dit, serait revenu vivant. C'est quand même pas mal, mais oui, ça s'est pas très bien passé. Je voudrais raconter une petite anecdote sur Sunliner. Ah oui, vas-y. J'ai lu dans un magazine américain. La NASA, à un moment, s'est officiellement inquiétée d'un mode de rentrée dans Sunliner où il y avait une petite instabilité de la capsule dans le couloir de rentrée. Les gens de la NASA sont venus. Christopher Ferguson, qui est un ancien commandant de navette spatiale, leur a dit « Mais non, il n'y a pas de problème. » Il est monté dans la capsule. Au simulateur, il lui a dit « Mettez-moi en instabilité. » Et au joystick, il a remis la capsule dans le couloir de rentrée. C'est hallucinant. Au joystick. Donc, au joystick, voilà, hein, au pilotage, au manche, ça fait partie des légendes de la conquête spatiale, cette histoire-là. Les légendes de la NASA ont dit, bon, c'est super, mais c'est pas toujours M. Ferguson qui pilote. Ah oui, non, c'est sûr. Les pilotes de navette, ils sont pas très battables. D'ailleurs, Ferguson, qui est donc le pilote du Starliner, du premier équipage qui doit partir dans le Starliner, donc est un astronaute Boeing à l'heure actuelle, mais c'est donc un ancien astronaute NASA, et lui aussi était dans la dernière navette, vol de navette avec Doug Hurley. Ah oui. Sans Ferrer, hein, c'est ça, hein. Non, non, tout à fait. Ferguson était le commandant, Doug Hurley était le pilote. C'est Doug Hurley qui reprend, va en principe reprendre le vol habité américain depuis le sol américain, et pas Ferguson, quoi. C'était vraiment presque en concurrence, quoi. Ah oui, quand même. Et c'est également Doug Hurley qui va donc aller chercher, tu racontais, Olivier, récupérer le drapeau américain donc, qu'ils avaient laissé lors de la dernière mission navette. Oui, voilà, lors de STS-135, donc Isabelle a rappelé, parce que c'est vrai que j'avais oublié de le dire, c'est que Ferguson était le commandant de cette navette, Doug Hurley était le pilote, et l'équipage a amené un petit drapeau américain, pas pleine taille, hein, modèle réduit, qui avait déjà volé lors de Columbia dans le vol inaugural donc de la première navette, 1981. Ils l'ont amené, il est resté à bord de l'ISS, et l'instruction, c'est il redescend avec un vaisseau américain. Donc, c'était un petit peu la course au drapeau, hein. Qui du Starliner ou du Crew Dragon va le faire. Là, pour l'instant, c'est plutôt parti pour que ce soit Doug Hurley avec le Starliner. Ça fait partie du petit côté humain de la conquête spatiale qu'on aime tous, hein, en fait, quand on est passionné. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Olivier, excuse-moi, ça fait beaucoup d'Olivier sur le chat, mais Einstein a annoncé que ce petit drapeau devrait repartir pour la Lune. Ah, ça, c'est cool. C'est bien, ils essayent vraiment de faire une continuité. Ce drapeau doit partir sur Artemis. J'ai plus si c'est le 1 ou le 2, ou la première habitée, mais il doit repartir avec Artemis pour la Lune, au moins pour faire les tours autour de la Lune, et je pense que tels qu'ils sont partis, pour se poser, si jamais ça doit se poser. Oh là, c'est génial quand même. Faut se poser sur Artemis 2, alors. Poser sur la Lune, c'est 2 ou 3? Parce qu'Artemis 1, c'est à vide, 2, c'est 3. C'est la 3, oui. Oui, je crois que c'est 3. Ouais. Alors, je vais oser faire un pronostic. Allez, si jamais ça se passe, et si le drapeau va sur la Lune, le drapeau, il finit dans un des musées du Smithsonian. Ah bah oui, possible. C'est obligé, je crois. Je prends pas un bien grand risque. Ah, non, c'est sûr. Et quasiment tout, enfin, je suis pas sûre de ce que j'avance, mais quasiment toutes les reliques un peu entre guillemets du vol spatial habité américain et quasiment, ils sont tous au Smithsonian, non? Alors oui, il y a un accord. Voilà. Il y a un accord entre la NASA et le Smithsonian, parce que le Smithsonian, en fait, c'est une institution qui est en gros l'équivalent du ministère de la Culture, et donc il y a un accord. La NASA confie au Smithsonian ses objets historiques. Mm-hmm. Après, ils vont pas forcément dans un musée du Smithsonian. Au Visitor Complex Center, qui est la partie musée ouverte au public du Centre Spatial Kennedy, il y a une navette spatiale qui a été confiée au Smithsonian et rétrocédée au Visitor Complex. Qui est magnifique. Et... Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et d'ailleurs, c'est la dernière, c'est Atlantis, c'est la dernière, celle qui a fait le dernier vol en plus. Ouais. Et ils ont une mise en scène magnifique, je vous recommande. Le jour où vous pouvez aller en Floride, il faut prévoir 2 jours pour visiter le visiteur complexe déjà. Et puis, si vous avez un lancement, c'est génial, quoi. Voilà, je recommande. Je croise les doigts pour y aller d'ici un ou deux ans, je pense. J'ai prévu de voir. Une anecdote amusante pour Atlantis. Ouais. Normalement, elle est prêtée.
officiellement, le truc qui reçoit la navette ne l'a pas acheté. Elle est prêtée. Elle est toujours propriété de la NASA via le Smithsonian. Pas d'inquiétude juridique. Donc, ils l'ont installé et tout. Et moi, il y a quelqu'un là-bas qui m'a dit, quand j'ai visité, il m'a dit fièrement, vous savez, quand elle est rentrée, quand l'a mise dans le bâtiment, une fois qu'elle était dans le bâtiment, on a construit le dernier mur porteur. Donc, c'est fini, elle ne sort plus. Oui, quelque part, ce n'est pas étonnant. C'est vrai que c'est un peu compliqué de la faire sortir. Ouais. Déjà, pour la faire sortir, changer d'étagère. Mais voilà, il y avait le côté, ils ne peuvent plus changer d'avis, le Smithsonian. C'est fini. Là, ah oui, non, là, les avis... Ah, moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller au Smithsonian à Washington, donc ça, c'est dans mon top 5, d'ailleurs. Ah, oui. Elle est pas mise en avant pareil, si j'ai bien compris, enfin, le peu de photos que j'ai vues, mais elle est belle aussi. C'est, je sais plus quelle navette c'est, d'ailleurs. C'est Discovery. Alors, elle est pas au Smithsonian dans Washington, non, elle est dans celui qui est, voilà. À Dulles, ouais. Voilà, près de l'aéroport Dulles, et c'est le Stephen Usaravi, en fait, c'est le monsieur qui a donné la donation pour faire, que ça porte son nom. Alors c'est vrai que c'est moins spectaculaire, elle est sur ses roues, en revanche ils ont fait un truc qui est très bien, bon elle est entourée d'objets de la conquête spatiale, des satellites, il y a même un des modules habitables qu'on mettait dans la soute, etc., mais pas l'européen, l'américain, mais ils ont fait une passerelle. Et quand on va sur cette passerelle, on a une vue, il y a deux passerelles où on a une vue au-dessus. Et donc, on a des angles extrêmement intéressants et très photogéniques sur Discovery. Ok. Ah, ça va être, franchement, ça va être super. Ça va être magnifique. Bah, honnêtement, le Dvarasi Center, bon, le musée à Washington est très beau, c'est incontournable. Dedans, il y a l'avion des Fairlight, il doit revenir la capsule d'Apollo 11. Mais l'autre musée, il faut quand même savoir que c'est un hangar dans lequel il y a un Concorde, le bombardier Enola Gay, il y a un SR-71, il y a Discovery, je veux dire, c'est le fantasme absolu du geek aérospatial. Ah ouais, moi c'est dans mon top 5. Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment des endroits à faire. Faudrait, comment ? Je sais pas si tu l'as déjà fait, ou même si Olivier aussi, tu l'as déjà fait ou pas sur le site de la Cité de l'Espace en article, mais faire, comment ? Soit ouais, une vidéo ou un article sur tous les endroits spatiaux à voir, à visiter. Il me semblait l'avoir vu sur ton blog, ouais. Moi, j'ai des rushs, en fait, par exemple, parce que je suis allée au musée de l'astronautique à Moscou. Enfin, aux deux musées de l'astronautique à Moscou l'année dernière, j'ai eu cette chance. Et j'ai des rushs de vidéos, mais de moyenne qualité, et j'ai toujours pas pris le temps de le faire et tout. Et après, voilà, c'est quoi. Normal, là, ça prend du temps. Donc c'est justement un des objectifs de ma chaîne YouTube, où jusqu'à présent je faisais l'actualité spatiale, ça me prenait beaucoup de temps, et j'avais plus le temps de faire autre chose, donc du coup j'arrête les actualités spatiales. Et, ou du moins je ferai que un ou deux sujets par-ci par-là, et par contre faire ce genre de choses, voilà, j'ai ces projets là, mais c'est comme tout quoi, j'ai un vrai boulot quoi. Ah oui, c'est normal. Donc pas facile, voilà, c'est sûr. Donc bon, là, 22 minutes, hein. Ouais, j'allais dire, on est à... Ça se précise. 22 ouais. minutes. Bon, moi, je suis un petit peu décalée, j'ai mon chrono décalé, mais comme je disais dans le chat, vaut mieux que ce soit moi qui soit décalée que la NASA. et du coup, donc, dans 17 minutes environ, on saura si, niveau météo, si c'est toujours en go. Et à partir de T-16 minutes, nous aurons donc, si tout va bien, le remplissage des réservoirs en oxygène liquide du deuxième étage de la Falcon 9. Donc, ouais, on croise les doigts, hein. C'est plutôt bien parti, hein, quand même. Enfin, depuis... Ouais, oui, vas-y. Le ciel est beau, hein. Bah, ça a l'air de s'être un petit peu dégagé, j'ai l'impression. Après, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste la météo à Cap Canaveral au niveau du pas de tir, hein, qui est prise en compte. Il y a également la météo au niveau de l'océan ou au niveau, entre guillemets, de la zone qui est... qui a été décidé pour récupérer, s'il y avait un problème, pouvoir récupérer la capsule. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui sont prises en compte. Il me semble que la NASA avait même publié un genre de... d'illustration, pas d'illustration, mais de... Ah, oui, un plan, l'infographie. On voyait le couloir, voilà, oui. On voyait le couloir que
qu'emprunter le Crew Dragon au-dessus et les zones où il fallait que l'océan soit tranquille. C'est ça, exactement. Il y a également une infographie sur tout, comment, toutes les précisions au niveau de la météo, surtout sur des vols habités, on va dire, ce qui devait ou pas avoir, ce qui devait être normal ou pas, et au niveau de la météo. Donc voilà, donc c'est beaucoup de choses qui sont prises en compte, parce que bon, c'est un vol habité, hein, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gens à bord de la Crew Dragon. Du coup, en fait, là, tout est fait pour que ce soit safe, c'est-à-dire vraiment, vraiment très, 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 très sécurisé, qu'il n'y ait aucun problème. D'après Elon Musk, ils ont tout fait pour que la Crew Dragon soit aussi safe que possible. Eh bien, j'espère en tout cas. J'espère Elon Musk, j'espère. Petite news de Mission Control. Oui. Le remplissage RP1 du deuxième étage est... Ah, ça a coupé vers la fin. Je disais remplissage RP1 deuxième étage terminé. Ah, super. Le remplissage des pressurisateurs en hélium est en cours. Super. Donc, c'est plutôt bien parti. Pour l'instant. Oui, je crois qu'Isabelle allait dire qu'il n'y avait pas qu'Elon Musk, il y avait ses ingénieurs derrière. Hein, oui, les ingénieurs, puis non, la NASA. Oui, surtout, non, mais quand je disais que c'était surtout qu'il avait, il avait dit ça, en fait, aux enfants des astronautes, et qu'ils avaient dit qu'ils avaient tout fait. Mais bien sûr, hein, c'est pas Elon Musk qui construit les fusées, s'il vous plaît. voilà, hein, non. Donc, même si c'est le PDG de SpaceX, les personnes qui... Voilà, il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques, voilà, c'est toute une... Je suis désolée, mais... Ah non, mais parce que c'est ça bien, m'énerve. C'est bien la de le rappeler. La personnification de SpaceX et d'Elon Musk m'énerve. C'est non, non, ça que, c'est, voilà. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que j'en discutais avec Stylographique le mercredi sur le fait que c'était bien en fait, que tu aies un avis assez tranché parce que, on va dire, il y a beaucoup de gens qui sont. J'ai rien contre les personnes qui sont. Pas tranchées, mais on va dire un autre avis que pro-SpaceX, on va dire. Merci de Café des Sciences pour l'hébergement. Merci et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Ouais, et non, je pense qu'il faut relativiser les choses. Enfin, il y a SpaceX fait énormément de choses, mais SpaceX est surtout extrêmement bien, est un très très bon communicant. Et mais il y a d'autres entreprises qui font des chouettes choses dans le vol habité. Les Russes font des choses merveilleuses depuis des années. Bon, voilà, c'est moins sexy. Ils font voler des des fusées américaines, d'ailleurs. Oui, voilà aussi. Enfin, voilà, là, on crache un peu. Enfin, je vois beaucoup de gens qui crachent sur Boeing, mais Boeing, il ne faut pas non plus dire. Voilà, ils ont participé à la création de la navette. Bon, là, ils ont un petit revers, mais ils vont se relever, ils vont redémarrer et ça va marcher, quoi. Voilà, c'est ça. Le bashing des autres que SpaceX, ça m'énerve, ça m'irrite. Voilà. Ah oui, je suis entièrement d'accord sur le fait que. Même si c'est cool, moi j'aime beaucoup SpaceX, mais il faut pas oublier ce que je vois beaucoup de jeunes qui s'intéressent au spatial, mais qui pensent à SpaceX. Ok, c'est super, mais il y a pas que SpaceX et il y a pas aussi qu'Elon Musk. Elon Musk, voilà, comme on précise, Elon Musk est juste le PDG de SpaceX, mais derrière il y a une équipe d'ingénieurs, genre vraiment, je crois que ça doit faire partie des meilleurs au monde, parce qu'il faut dire, quand on pourrait bosser chez SpaceX, il faut avoir un sacré CV. Il faut faire partie des meilleurs de son domaine. Donc voilà, donc c'est pas aider, voilà, il y a des techniciens exactement. Donc comme le disait Corentin, donc c'est vraiment, c'est surtout cette équipe-là de scientifiques, de techniciens, d'ingénieurs qui sont là pour faire fonctionner et pour que tout se passe bien chez SpaceX. Je parle de Starship, je parle de Falcon 9, Crew Dragon, Starlink, même si bon, Starlink c'est un autre sujet. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut pas oublier, il faut pas oublier ça. Remplissage oxygène liquide deuxième étage en cours. Ah ouais. Super, c'est bien, on est normalement, on est bien parti. Oui, je suis trop contente. N'oublions pas, voilà. N'oublions pas, il y a aussi du SpaceX bashing. Et en fait, Je crois qu'on est un peu à l'époque, c'est un peu le mal des réseaux sociaux. Hein. Vous en parlez mieux que moi parce que vous, quand vous tweetez sur le spatial, vous faites à votre nom. Il y a aussi du bashing, c'est-à-dire les gens disent ils critiquent, mais bon. Alors maintenant, il faut savoir que l'échec fait partie de la culture américaine. Boeing, je suis sûr qu'ils vont se redresser. Ils ont, c'est très dur pour eux en ce moment, entre le 737 MAX et le Starliner. Mais il y a aussi une culture là-bas. Je peux moins parler pour la France parce que je connais moins la culture ingénieriale européenne, bizarrement. Il y a quelque part ce côté, si on est confronté à quelque chose de très difficile, ça ne les abat pas. Au contraire, ils se disent, c'est dur.
on va encore plus se démener. Justement, en fait, je crois que j'avais vu, je sais plus qui est-ce qu'il disait, et en fait, avant, le credo de la NASA, ça a longtemps été « failure is not an option », et que justement, avec SpaceX, c'était tout le contraire. En fait, que justement, c'est grâce aux échecs qu'ils ont réussi à avancer, en fait. Donc... Et je pense que je pense qu'on l'a aussi. Après, c'est moins visible peut-être, mais on l'a aussi. Enfin, moi, je l'ai vécu lors des campagnes de tir sur des satellites où on a un problème, on a quand même une date de lancement à tenir, ou même avant en intégration. J'en parlais dans la capsule de Corentin il y a 15 jours. Et bien, à un moment donné, on se démène et on y va et on avance et on trouve les solutions. Voilà. Gwynne Shotwell. Exactement, j'allais le dire. J'étais en train de le dire. Ouais. C'est elle la vraie patronne de SpaceX. Ouais, exactement. Ne le cachons pas, celle qui gère le bazar. C'est... Voilà, donc c'est vraiment Gwynne Shotwell qui est entre guillemets, enfin, qui est officiellement la vraie directrice de SpaceX. Et... directrice des opérations de SpaceX. Exactement, merci Alexandre. Et voilà, c'est vraiment cette personne qui est à la tête de tout ce qui se passe chez SpaceX. Voilà, Elon Musk fait juste de la déco et il donne de la thune. Non, je rigole. Il fait juste office de décoration. C'est faut elle. Peut-être pas aller jusque là. Je rigole. Non plus. je suis pas non plus anti SpaceX ou anti Elon. C'est bien la dame à l'écran, la dame blonde, c'est elle, c'est Gwynne Shotwell et elle gère et voilà, elle pèse dans le game. Et j'aime beaucoup cette femme. Non mais elle a un CV impressionnant, des compétences. Bah si elle est là. Gérer une boîte comme SpaceX, c'est pas évident. Je veux dire, et je trouve que c'est en plus. Alors moi, évidemment, je suis moins touché par ça parce que je suis un vieux schnock de 52 ans, mais je pense que ça peut être aussi pour des jeunes filles qui veulent être ingénieures ou qui se disent « Est-ce que la science, c'est pour moi ? Est-ce que l'ingénierie, c'est pour moi ?» Là, il y a un modèle. On se dit « Bah oui, je peux. » Exactement. Voilà, c'est pas que des vieux en costard-cravate. C'est, voilà. C'est ça, c'est intéressant, effectivement. Ça, c'est super. Par contre, c'est un bon message. Je suis d'accord avec toi, Olivier. Parce que bah, quand on voit des panels, par exemple, à des conférences astronautiques, bah, t'as que des hommes blancs, 50 ans et quelques. Ouais, c'est ça. Voilà, ou plus. Et effectivement, elle, généralement, elle sort du lot. Donc, ça, c'est super. Ouais. Justement, C'est pour ça que je suis pas anti-SpaceX non plus, parce que SpaceX amène de la visibilité d'un certain nombre de choses, de la jeunesse, de la visibilité de l'espace. Ils ont mis un petit coup de pied dans la fourmilière quand même pour secouer les vieux croutons qui reposaient sur leur... Exactement. Il y a une culture. Si vous regardez certains des films SpaceX, déjà quand vous voyez le montage, la musique et tout, ça donne un coup de vieux à la communication européenne, mais on fait des efforts. Hein. C'est super. Mais vous voyez par exemple Gwynne Shotwell, quand un lancement est réussi, elle est avec ses employés et elle fait les high five. Vous savez, quand ils se tapent dans les mains. Alors là, en ce moment, peut-être moins, évidemment. Mais c'est-à-dire, il y a cette proximité. J'ai l'impression que la hiérarchie, alors elle doit être là, mais elle se fait moins sensible. Stéphanie Israël ne fait pas de high five? J'aimerais bien. Non, mais ce serait bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Stéphanie Israël, c'est le directeur de Arianespace. Voilà. Alors c'est vrai que c'est peut-être moins dans notre culture européenne aussi. Il faut pas vouloir être ce qu'on n'est pas. Oui, c'est surtout culturel, je pense. Oui, oui. Ouais. Youter, il le dit très bien dans le chat. On n'est pas obligé de faire comme les Américains. C'est vrai, totalement. Mais après, un point que je voulais quand même remettre sur Gwynne, juste pour finir, c'est je pense que le truc le plus dur à gérer, c'est pas SpaceX, c'est Elon Musk. C'est vrai. Ou le sel, ça y est, il y a du sel qui arrive. Non, oui, je pense matin, que c'est... Twitter, qu'est-ce qu'Elon a envoyé. Merci Dame Germis pour l'hébergement. Et merci pour les abonnements. Je pense que c'est juste un couple parfait du fou et de l'autre à côté, c'est qui va le contrôler un peu, quoi. Oui, c'est sûr. Parce qu'il faut la folie de Musk. Alors, elle est bien ou elle n'est pas bien, c'est un autre débat. Mais il faut aussi quelqu'un avec la tête sur les épaules. Et cette femme a la tête sur les épaules. Genre, elle me rappelle un peu d'un certain côté Tori Bruno. Exactement. Le patron c'est vrai. De ULA. C'est vrai, ouais. Qui a exactement ce calme, tu vois ce que je veux dire. Pas un mot au-dessus de l'autre. Mais elle peut être aussi super excitée quand il y a un truc de fou qui se passe. Parce que voilà, c'est normal. Et les deux sont des pointures. Et oula, oulala. Ah, les oui. deux sont... Ouf. Thierry Bruno est assez impressionnant. Ouais. Ouais, il personnalise cet esprit américain que j'aime beaucoup, qui est on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux.
Ouais, ça c'est vrai. Alors ça en y est, invitant des youtubeurs, en invitant des youtubeurs à faire des interviews pendant le rollout d'une tour d'une Delta 4. Et... Oui, c'est... j'adore Toré Bruno. Il me semble que c'était pour le NASA Social, il me semble, non? C'était possible, ouais. Solar. C'est Solar Orbiter. C'était Solar Orbiter. Solar Orbiter. Hein, où il y a Hybrid les... Astronaut, Tim Dodd qui était en haut. Ouais. C'est peut-être spécialement pour Tim Dodd, Hybrid Astronaut et peut-être, je sais pas s'il y avait d'autres personnes. Mais je sais qu'il avait fait visiter Il est allé jusqu'au Launchpad avec les gens du NASA Social en fait. Il avait fait visiter les usines de l'Atlas. Attends, c'est de l'Atlas ou la Vulcane qu'il a fait visiter à des. Ah, c'est la même. Décature, ça fait tout. C'est pareil. C'est vrai. Alors, je précise, je fais une petite précision, nous sommes à moins 10 minutes du décollage, donc c'est plutôt bien parti. Et on a pas l'entrée de test review, si je ne m'abuse, si. Je crois que ça s'est fait normalement à moins 16 minutes, en fait, il confirmait ou pas pour... Non, c'est bon, on est go weather et on est rentré en chargement de l'oxygène liquide deuxième étage, là. Ouais, c'est un moment déjà. En fait, ma timeline Twitter, elle déborde, j'arrive à rien voir. Oui, c'est vrai que j'ai Twitter un peu en on fire, là. J'ai du mal aussi. J'arrive pas à suivre. Et bienvenue aux 220 personnes qui sont avec nous. Vous êtes 220 L'influenceuse. Non, stop, arrête. Oui, parce qu'en fait, le terme influenceur vient d'une interview qu'on a fait avec Isabelle et Olivier pour la Dépêche du Midi, qui est un journal régional, exactement, et qui nous ont décrit comme des influenceurs Toulousaine qui parle de spatial. J'ai encore beaucoup de mal avec ce terme. Je sais que pour plus d'une fois, on m'a appelé vous les influenceurs. Je n'influence personne. Moi, mon but, c'est de partager ma passion et de faire découvrir le spatial, l'exploration spatiale au grand public. Je n'influence personne. Je vous influence pas. Je ne vous force pas à aimer l'espace. Voilà. C'est vrai que le terme influenceur, c'est bizarre. Merci pour les follow. Alors du coup, je voulais dire merci beaucoup pour les abonnements, merci pour les follow. Désolée si, en fait, je vous vois, mais problème des comme on est en train de discuter, c'est un peu difficile de couper la conversation pour remercier. Mais merci beaucoup pour votre soutien, vraiment. Merci infiniment. Et il y a ma mère qui dit arrête de vouloir m'influencer. Oui, parce que ma maman est présente dans le chat, mesdames et messieurs. La Britney Senior. Voilà. C'est de la bonne influence. C'est de la science, c'est de la technologie. C'est exactement. C'est oui. Notre civilisation qui prépare son futur. Voilà. Donc. Alors. Alors nous. Mais c'est chouette justement. Moi, c'est super si ta mère qui n'y connaît rien, s'y intéresse et tout. Je trouve ça super que ça soit quel que soit l'âge, enfin voilà, et en plus ta mère, voilà, on a le même âge, je crois. Donc, oui, vous avez le même âge. Report de mission control, les vérins de hydraulique pour le système de contrôle vectoriel des moteurs a été pressurisé, donc on est vraiment. On est parti. Et en plus, à moins de 7 minutes, vont commencer le refroidissement des moteurs Merlin avant de recevoir l'oxygène liquide. Justement, ça leur permet en fait de se mettre à température, parce que bon, recevoir... Ah bah voilà, le cloud vient d'arriver, stage 1, stage 2, engine chill vient de commencer. Voilà, et voilà je le dis, et... voilà, je prévois. Synchrone. Et on parlait de Gwynne Shotwell, elle vient d'envoyer son God Bless et Godspeed à l'équipage. Ça y est. C'est bon, ça arrive. Et pour reprendre sur une anecdote avec ma maman, en fait, la semaine dernière, je crois que je l'avais tweeté, en fait, je sais pas pourquoi, elle commençait à me parler de SpaceX. Et on a commencé à parler combinaison spatiale, et j'étais très étonnée. Et en fait, c'est grâce à ma maman que je sais quand est-ce qu'elle comprend, vu qu'elle n'y connaît absolument rien au spatial. C'est un peu mon niveau de vulgarisation, en fait. Si elle arrive à comprendre, et ben c'est que c'était bien vulgarisé. Donc voilà, donc merci maman, merci beaucoup. Et je suis très contente que ma maman arrive à me parler de SpaceX aujourd'hui, je suis très contente. Donc voilà. Ah, et, premier et... étage est pleinement rempli. Total. Cool. Alors oui, ils n'ont pas donné le nom qu'ils donnaient à la capsule, ils devaient le dire. J'ai loupé ça. Ils devaient préciser comment ils appellent leur capsule. C'est vrai qu'ils l'ont pas dit encore. Ils vont peut-être le dire avant.
Ah, ils sont capables de dire 30 secondes avant. Donc, on entendra peut-être. De toute façon, oui, comme je précise au chat, à moins 30 secondes du décollage, on coupe les micros. Enfin, je fais confiance à mes chers invités de couper leurs micros à moins 30 secondes. Et je couperai le mien, je vous passerai sur la scène en full screen. Et ouais. Je couperai ma webcam, enfin la webcam sera coupée, et je vous mettrai le son à fond et pourrai profiter du décollage, et on reprendra l'antenne à MaxQ. Donc environ, alors MaxQ, qui est à 58 secondes après le décollage, voilà. Il faut dire, ouais, il vaut mieux qu'on coupe les micros, parce que sinon on va nous entendre pleurer, machin. Ok, nous avons... Ah, ok, nous sommes, les réservoirs de la Falcon sont désormais pressurisés à pression de vol, c'est paré, et le dragon vient d'être positionné en mode de vol. Il est en internal power, ouais, exactement. Donc en fait là... Pas internal power, il est configured for flight, spécifiquement. Normalement, il est encore relié au Dominico. Il est encore relié, ok. Normalement, sur AT-5 minutes, il est censé faire une transition vers l'internal power, donc sur les batteries, sur ses batteries, fonctionner sur... et ne plus dépendre en fait de l'électricité fournie par le pâtir. Merci Zeb. Et le commandant, il y croit parce que cité par la NASA, Doug Hurley vient de dire qu'il était, bien sûr, c'était un honneur de participer à cet énorme effort et tout, et il dit on vous reparlera depuis l'orbite. Yes. Alors je vois que vous êtes apparemment 284 sur le live. Ouais. Alors merci beaucoup, je vous remercie, c'est la première fois qu'on atteint autant de viewers. Alors merci beaucoup, vraiment. Je sais pas quoi dire, merci d'être là. Alors pour Ori TV, on va pas pouvoir voir la fusée depuis la France. Hein. C'est plutôt la capsule ou du moins l'ISS qu'on c'est pourra ça. Voir et seulement à la deuxième orbite parce que la première orbite il fera encore trop jour. Et ça sera plutôt à la deuxième orbite, en fait. J'ai pas l'heure du tout pour... Je crois que le geek vient de le... Le geek a les infos, ouais. Donc, ouais monsieur le geek, toujours là. Toujours là, quand tu... 23h18, Astropierre aussi, Terranien. Ok, super. Donc, entre 23h16 et 23h18, ouais. Moi, je l'avais tweeté aussi. Eh bien, on va essayer de voir ça. Ouais, j'espère. Merci le pour tous les le follow. Bras vient de se retirer. Le bras vient de se retirer des 7 ou 8 degrés. Ok, ça y est, on y arrive. Témoin 3 là, minutes. C'est bon là. Ouais, là, c'est parti. Hein. On est là. Là, il n'y a qu'un rouge lanceur qui peut arrêter parce que s'il y avait ouais. un rouge ah, météo, oui, c'est déjà fait. Ça y est, dragon est en internal power. Ça y est, donc internal power. Donc là, le dragon, en fait, sur batterie. Allez, sur batterie, merci. Fou, j'ai la fatigue et excitation. Olivier Sangui, officiellement même moite. Voilà. Allez, on est là. Ouh, yes. Donc, ouais, fou, ça va être... Moi, j'ai du mal à tweeter en même temps, là. Je tweete pas. Hein. Je, vraiment. Et tweet, comme ça, je te retweet, c'est plus facile. Je suis en train de passer en internal power. Hop, je me remets les cheveux en place pour ce moment historique. C'est parti, les enfants. On est à moins de 2 minutes. Oula, oula, c'est quoi cette pluie? Non, la pluie. Quoi? Il pleut. Non, la pluie, arrête. Suppression. C'est la suppression. Ah. C'est sûr, tu penses? La pluie de l'Ox. Ah, ok, d'accord. Oui. Ah, j'allais dire non. Ouais, il purge l'espèce de truc où il y a l'eau qui est... Ah oui, d'accord, ok. Putain, la caméra, elle est méga proche, parce que d'habitude, elle est pas aussi proche. Normalement, on l'a pas, ça. On a tous super froid de la pluie. Ah, fermeture des conduites de carburant. Ça y est, témoin, 1 minute et 15 secondes. Let's go. Ça y est, j'ai trop hâte. On se mute à quoi? T'es moins 30? T'es moins 30, ouais, ça y est. Ouais, voilà, je crois que je me mute maintenant. Parce que tu veux te muter maintenant? Oh okay. Ouais. Donc, je veux profiter. Allez, c'est parti. On se rejoint après MaxQ.
À plus. À tout à l'heure, Isabelle. Eh bien, vous savez quoi, c'est... On est en start-up. Alors, vous savez quoi, je pense qu'on va tous se muter à partir de maintenant. Ok. Et on se retrouve après, Max Q. Eh bien, profitez bien. Allez, à tout à l'heure. Allez, 337 joueurs, bonne chance. Ah, ciao. SpaceX Dragon, we're go for launch. Let's light this candle. T-minus 30 seconds. Stage one tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight. And with it, the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage one propulsion is nominal. T plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go. Falcon power telemetry nominal. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through Max-Q. Alors, on vient de passer Max-Q. Alors, attendez, je reviens, je remets... En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mon overlay a un petit peu déconné. Alors, j'arrive, je remets juste mon overlay. Hop. Poussez les moteurs en augmentation, donc que Max-Q a été passé. Bob and Doug pulling about 2.3 G's, 2.3 times the Earth's gravity. Ah, la vue intérieure. La vue intérieure. 1500 miles per hour. Ah, we've heard the call out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Voilà. Revoilà. Right now, everything continuing to look good. Eh bah, je peux vous dire que j'ai les poils qui se sont arrêtés. Ah ouais, c'était ouf. Pareil. Quand même. Alors. Tout ce qu'on prend, Max Q, qu'est-ce Max que ça veut dire? Donc c'est maximum aerodynamic stress. Donc en fait, je sais pas si tu veux mieux expliquer, Alexandre, vas-y. Bien sûr. En fait, Max Q, concrètement, c'est le point, en fait, dans le vol où le véhicule, donc à savoir ici la Falcon 9 et donc le Dragon par-dessus, on va subir la pression. Ah, voilà. Donc, alors, Miko. J'attends la séparation. Miko. And we have Miko. Et c'est fait. Ça y est. Ah, vous êtes en avance. Séparation du premier étage. Il faut attendre que chez SpaceX, ils sont plutôt contents. Ouais. Ouais, on peut voir Musk sur le live du Mission Control. Ok, du coup, alors la séparation s'est bien passée. Donc, ce que je disais dans Max-Q, c'est le moment du coup où le véhicule va donc subir la pression aérodynamique, c'est-à-dire la force de l'air la plus importante. Donc, du coup, à ce moment-là, c'est essentiellement le moment où l'atmosphère a le plus gros effet sur le véhicule, et donc c'est le moment le plus dangereux, non seulement pour voler, mais également pour se tirer du véhicule en cas de problème. C'est-à-dire pour ça que justement le abort test de la dernière fois a été passé à Max-Q. Et du coup, voilà, donc lorsque l'on passe Max-Q, les moteurs du premier étage doivent diminuer en puissance pour justement pour que le véhicule ne s'exerce pas contre l'air. Et une fois ce point passé, quand l'atmosphère devient plus fine et que les efforts deviennent moindres, on peut entendre les moteurs remonter en puissance avant la séparation. Est-ce que vous voyez comment les mecs ils sont chill à l'intérieur de leur capsule? Le voyage il se passe, mais tranquillou, quoi, vraiment, c'est. Dragon SpaceX, nominal trajectory. Donc, même en décollage de Soyouz, ils disent qu'ils ne sont pas non plus. Enfin, ils sont poussés, mais c'est pas.
Enfin, je sais pas, c'est 3-4 G grand max. Hein, pas... 4,7 à la séparation deuxième, troisième. Oui. Mmh. Ouais, c'est, mais c'est tellement court. Hein. C'est tellement court que c'est pas, pas non plus insupportable. Quoi. J'imagine la joie là, de Doug Hurley et Bob Behnken, ils attendent ça. Depuis super longtemps. Bah, pour Doug, c'est presque 9 ans. Quoi. Ah oui, bah oui, c'est exactement. Ouais. C'est plus, non, même, non ? Non, lui, il a volé dans... Ah non, t'as raison. Oui, il a volé dans STS-135, Doug. Donc, ça fait un peu presque 9 ans. Bob, je sais pas. Bob Behnken, ça a vérifié. Mais Doug Hurley, ça fait c'est presque 9 ans. C'est plus vieux que ça, encore. Il a pas vu les Soyuz. Non, mais Doug Hurley a volé dans 135, le dernier vol en 2011. Donc, lui, ça fait un peu moins de 9 ans qu'il attend. Ah oui, non, c'est vrai que là vraiment le comment leur siège a l'air vachement bien fait. Tout à l'heure j'écoutais sur le documentaire de, enfin il y avait un petit documentaire dans le, pendant le live où en fait donc les il y a plusieurs tailles de sièges mais en fait ça veut dire que le siège n'est pas moulé comme ceux des Soyuz mais c'est la mousse qui est thermoformable en fait donc apparemment cette mousse permet que le siège soit vraiment épouse les formes de l'astronaute ou de, et du coup fait que les sièges sont très 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 confortables donc contrairement à ceux des Soyuz qui ont l'air très Oui, je pourrais peut-être préciser ce qui se passe. Oui, quand même, oui. Donc en fait, là, on arrive. Oula, attendez, parce que j'ai trop de son dans les oreilles. Donc là, en fait, ce que vous pouvez voir à la droite de votre écran, vous avez donc l'image du premier étage qui est en train de revenir vers, qui est en train de, d'entamer sa descente vers la Terre, en fait. Donc là, il a déployé, donc c'est Great Fins, donc c'est des ailettes grillagées entre guillemets, qui lui permettent en fait de se diriger et de gérer en fait son sa trajectoire lors en fait de sa descente. En fait, il va revenir sur une barge en pleine mer, donc dans l'océan Atlantique. Donc on va voir ça donc vers 9 minutes, donc 9 minutes 22. Il est chaud. Tout va bien. Là, j'ai raison, j'ai entendu le call-out, la trajectoire du dragon est nominale, la poussée du second étage est nominale, l'acquisition de signal a été faite. Là, nouveau call-out, la propulsion est toujours à un niveau nominal, donc pour l'instant, le vol est comme sur du beurre. Là, pour l'instant, tout seul. Tout fabuleux de Lucas Parmitano, astronaute européen. Goosebumps, c'est-à-dire j'ai la chair de poule. C'est ça, exactement. Ouais. Ah, le plus, le pauvre Jean-Lucas, je ne suis pas sûr qu'il fasse un troisième vol, quoi. Après, il a quand même volé. Hein, Ah, il a fait demi-tour, mais je suis pas sûr qu'il reparte. Quoi, tu vois. Ouais. Bon, les deux prochains européens, c'est notre Thomas National et puis il y aura Mathias Maurer. Mathias Maurer, ouais. Donc Mathias Maurer, qui est un astronaute allemand, qui n'a pas encore volé, mais qui est adorable. C'est un amour, c'est vrai. Vraiment. C'est, il est, mais adorable. Un truc de dingue. L'humilité fait homme. Exactement. Donc là, vous pouvez voir, donc le premier étage est en train de faire sa réentrée atmosphérique. Donc là, il réentre dans l'atmosphère. Donc là, vous pouvez voir justement comment ça a brûlé un petit peu. Ça commence à chauffer. Là, il a allumé ses moteurs justement. C'est c'est le landing burn. Ah non, c'est l'entry burn. Pardon, excusez-moi. Ouais. Ouais. C'est ça. Parce que justement, pour donc là, c'est trois. Dans l'atmosphère trop fort, il ralentit un tout petit peu à entrer. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, il y a trois. C'est un retour technique d'Isabelle ou autre. Cet entry burn, on est bien d'accord, quand on allume les moteurs pour qu'ils fassent office de bouclier thermique, je rêve, ça peut être ça. C'est pour freiner aussi. C'est plus pour freiner. Oui, s'il y en a trois sur les neuf qui sont allumés. Alors, c'est les deux en fait. C'est bien d'accord. Pour freiner, mais les gaz d'échappement sont moins chauds que les plasmas générés par la réentrée, donc ça sert de bouclier thermique. Ok, je confirme. Voilà. Ah ben voilà. C'est facile. Et toi qui es ingénieur, c'est quoi ? C'est gonflé ? C'est une solution connue mais qui n'a pas été appliquée ou c'est vraiment novateur ? Tu le verrais comment, toi ? Bah, a priori, la NASA avait testé, avait voulu faire ça et donc Elon Musk a repris ces concepts-là. Quoi. Donc, derrière, il y a plein de gens qui n'ont pas voulu l'utiliser parce qu'ils pensaient que ce n'était pas économiquement, on va dire, rentable de faire ça. Mais, parce qu'il faut quand même un moteur qui sera allumé. On arrive à SICO, donc le... l'arrêt du moteur du deuxième étage.
MVAC shutdown. C'est en train de changer. Ce que tu dis, Isabelle, ça montre bien que SpaceX a su faire la synthèse de technologies existantes et les landing burn. Landing burn. On arrive au landing burn. Attention. On croise les doigts. On croise les doigts. Les doigts, tout le monde. Exactement. On croise les fesses. On croise tout. On croise tout. On croise les fesses. Attention, attention. Ah, ça tremble. Comme d'habitude. Ah, loss of signal, donc ça veut dire que c'est pas très bon. Allez, allez. Ça coupe à chaque fois en fait. Elle fait tomber tellement la barge que ça désaligne là. Voilà. Ouais. Les... Bon, antenne. Ouais, bravo. Oui, ça y est, ça y est. On lance sur ta réponse. Bravo. Falcon 9 oui. Bravo. Yes, bravo, bravo. Non, non, c'est qui me surprendra toujours la précision de l'atterrissage. Non, c'est très fort quand même. C'est clair que tu as une grosse fusée qui rentre devant d'une haute altitude. Il faut freiner, il faut aller dans un point très précis au niveau d'une barge dans l'océan qui bouge avec la houle et tout. Non, c'est quand même très très fort, c'est clair. Il faut se rappeler que le premier étage fait 15 étages. Oui, c'est 50 mètres. C'est ça, exactement. C'est un immeuble qui redescend. Ouais, le dinosaure qui vole. Oui, le petit dinosaure. Ils volent. Yes. Ah, ils sont contents. Ah ouais, ils sont c'est contents, ça, c'est le 0G indicator, donc c'est l'indicateur de 0G. Lors du vol d'IM-1, c'était le petit Celestial Buddy comme le petit Mars que j'ai, mais c'était la version Terre. Et là, c'est un petit dragon dinosaure trop mignon. Ils sont sur orbite, ça y est. Ils sont sur orbite, insertion nominale. Ça y est. Ils vont peut-être donner le nom de la capsule. On va voir. Comment ? Ils vont peut-être donner le nom de la capsule. Enfin. Je sais. En vrai, je sais même pas si elle a un nom, hein, parce que c'est encore un vol de test concrètement. Normalement, enfin, si ils doivent donner un nom à la capsule, normalement, ce que j'avais entendu. Ah bah on attend alors. Attention, ouais. Déploiement de la Dragon Crew du deuxième étage. Dans quelques instants là. Dans une minute, normalement. Ouais, là on a une belle vue intérieure justement depuis le... Enfin je suis peut-être un peu en retard, donc j'ai raté, mais on avait une petite vue intérieure justement de l'intérieur du module de service du Gros Dragon, le Trunk, le fameux. Et ouais, c'est chaud, c'est beau putain. C'est génial. First try quand même. Hein. Ah oui, non, mais là vraiment nickel. Ah, atterri, hein. 27,000 meters per second, or about 16,000 miles per hour. Ok. Again, we're just standing by. That separation event should be coming up shortly. Then they'll begin a series of checks on the Draco thrusters that are going to be used to. Olivier tweet au nom de la cité de l'espace ce soir en parlant. Ah oui. Oh. Standing by for separation. Donc, c'est pas facile. Moi aussi, j'essaye avec mes deux comptes là. J'ai un peu de mal. Séparation confirmée. Séparation. Super. Ouais, c'était 12 minutes. Ouais. Ça y est, normalement. Ouais. Ça y est. Mesdames et messieurs, le Crew Dragon s'est envolé. There is a great view right in front of you. A dragon separating. C'est génial, franchement c'est ouf, c'est trop bien. Je pense qu'il y a en 2001, il y a quelqu'un de spatial, pas d'Europe, je tiens à le dire, qui m'a dit « Elon Musk, oui, ce gars qui veut faire d'une grande fortune une petite fortune. Ouais. » Il vient de ramener les Américains dans l'espace, avec toute son équipe, hein, bien dingue. Sûr. Avec toute son équipe. C'est l'heure du sel, balance les noms. Bob Doug, on behalf of the entire launch team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission. Oui, bien sûr, mais tu as raison en fait qu'il y a quand même certaines personnes qui ont un peu ri au nez de M. Musk en lui disant que c'était un farfelu et qu'il ferait mieux de retourner de faire des programmes informatiques comme il savait faire. Attendez. Que là, il vient d'appuyer une fois de plus sur le... Il y a communication du dragon jusqu'au Ground Control. On les entend ? Ouais. Oui. Copy all. Good luck. Proud of you guys and the rest of the team. Thank you so much for what yes. you've done for us today, putting America back into low Earth orbit from the Florida coast. C'est génial. Godspeed. Mesdames et messieurs, c'est vraiment un jour historique que nous vivons aujourd'hui. Le retour des Américains dans la course spatiale, entre guillemets, si on peut dire ça. Les astronautes américains sur les fusées américaines, lancés depuis le sol américain. Elle est belle cette image à gauche là. Ouais.
C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air trop mal hein, dans leur capsule. Hein, c'est... Le nose cone qui protège le docking port vient d'être ouvert. Ça y est, ouais. Déploiement du Star Tracker. Ah, super. Enfin, au moins, ça marche. Donc, en fait, en haut de la capsule Dragon, il y a une espèce de capot de protection qu'il faut ouvrir assez rapidement pour deux choses. Ce qu'on appelle les Star Tracker ou les senseurs stellaires qui permettent de faire la navigation de la capsule, enfin, du vaisseau. Et ensuite, il y a aussi le système d'amarrage à l'ISS qui est là. Donc, si le capot ne s'ouvre pas, tu ne peux pas t'amarrer à l'ISS. Donc, c'est un peu dommage. Il faut t'en rentrer sur Terre. Voilà. Donc là, donc à T plus 49 minutes. Donc là, je pense que le live SpaceX va bientôt s'arrêter. La capsule fera sa première... correction de trajectoire. Ils ont ouvert leur visière. Ça y est. Oui, il n'y a plus de danger. Ouais. Non, là, c'est bon. En fait, ils sont juste... ils sont sur la bonne route. Voilà, ça y est. Ils sont en route officiellement. Mesdames et messieurs, nous sommes en vol. Vous pouvez aller faire pipi. C'est ça, exactement. Ils peuvent aller faire pipi à partir de maintenant. Mesdames et messieurs, vous pouvez désormais... détachez vos ceintures. Détachez-vous. Vos ceintures et vous pouvez désormais vous déplacer par l'appareil. Mais ouais, c'est vrai que c'est bon. Je tenais à adresser un truc. Ce que tu avais dit la dernière fois, Isabelle, sur le live de la dernière fois, tu avais dit que le vol de Dragon n'était pas un vol révolutionnaire, dans le sens que les technologies, etc., n'étaient pas forcément des trucs très nouveaux. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est pas une révolution. Mais je pense quand même qu'on est sur un événement évolutionnaire, quand même. C'est pas la même chose du tout que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ce n'est pas révolutionnaire. Après, effectivement, il y a des évolutions de technologie. On merci voit pour les follow. Ils utilisent des écrans digitaux. Ils utilisent des combinaisons plutôt modernes et pas rigides. Enfin, il y a plein de choses. Oui, oui, c'est quand même une évolution, mais pas une révolution. Alors, Mélissande qui demande juste une question, ils peuvent bouger dans la capsule d'ici l'arrivée? Normalement, oui, parce qu'il y a quand même 19 heures de manœuvre. Je pense que oui, j'espère pour eux. Et oui, ils ont une phase de sommeil de 8 heures qui vont arriver, donc ils doivent dormir. Il y a des toilettes, Mélissande, à l'intérieur. Petite pensée émue aux platistes. Merci. Exactement. Si les platistes nous regardent, on vous laisse bien, bonjour. Non, mais c'est des images de synthèse, voyons. Oui, on sait tous que, on est manipulés. Bah, regardez, elle est plate, là. Elle est plate, là, sur cette... On sait que Doob et Bob, ce sont des acteurs payés. Dans pas longtemps, il va y en avoir un vrai d'acteur payé. Ça va être compliqué de ressortir cette... Ah oui. C'est pas faux. C'est pas faux. J'avoue. Apparemment, on n'aura pas de la CG. Eh bien, c'était... incroyable. Alors, si vous voulez, vu que bon, pour l'instant, il n'y aura pas d'update d'ici 49 minutes, je pense. Et je ne sais pas s'ils vont faire rester en live pendant toutes les manœuvres. Eh bien, je vais vous inviter, chers viewers, si vous avez envie de venir partager votre joie, des questions, ou je ne sais pas ce que vous voulez, entre guillemets, en restant respectueux, bien sûr, en nous rejoignant sur la libre antenne. Donc mes chers modérateurs vous guideront vers le Discord. Donc la OpportuniBot vous a donné le lien du Discord PocScience. Et vous pouvez venir nous rejoindre pendant la libre antenne pour venir soit nous poser des questions ou faire partager votre réaction, de ce que vous avez pensé du live SpaceX, ce que vous avez pensé du décollage, est-ce que vous êtes chaud patate, venez, n'hésitez pas, c'est fait pour. Et si vous avez des questions à poser dans le chat pour les intervenants incroyables que nous avons ce soir, n'hésitez pas à les poser et ils se chargeront d'y répondre du mieux qu'ils puissent dans leur compétence. Oui, on ne sait pas tout. Ça, c'est clair. Non, on vous cache des choses.
Nous sachons. Il y a Mélissande qui dit, je sais pas, moi je pars pour 16 à 19 heures de voyage, je veux savoir comment faire pipi et il y a quoi sur le plateau repas. Exactement. Après, je sais pas trop ce qu'ils ont emmené, je sais pas s'ils ont fait de nouvelles rations, entre guillemets, spéciales, un peu à la SpaceX, je sais pas s'ils ont justement révolutionné la nourriture spatiale pour ce vol. Donc ça, je crois que ce sera un grand mystère. Et j'ai peur que là-dessus, on puisse pas trop y révolutionner de suite, quoi. Ah, ouais. C'est sûr. Sur la nourriture, hein. T'as des super contraintes de miettes pour éviter que ça. Il faut pas de miettes pour pas que ça aille dans les systèmes de ventilation. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Des cookies spatiaux, on peut en parler. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas si simple. Et puis il y a des obligations diététiques très poussées, c'est-à-dire qu'ils ont de la nourriture, on va dire qu'on rêverait tous d'avoir entre guillemets, mais qui peut parfois être un petit peu embêtante. Et j'avais assisté à un truc amusant, c'était en Russie, mais au centre d'entraînement des astronautes, à Star City, la fameuse cité des étoiles de Moscou, il y avait quelqu'un qui était en train de... C'était un astronaute qui avait parti, il était en train de goûter un repas. Et il y avait le responsable russe des repas qui notait. Et moi, naïvement, je lui dis, donc vous allez lui mettre que les repas qu'il aime. Et là, il m'a sorti quelque chose de très intéressant, il m'a dit, non, pas forcément. Il faut qu'il ait des repas qu'il aime moins, pas ce qu'il aime pas bien sûr, mais qu'il aime moins pour éviter une monotonie émotionnelle au niveau des repas. C'est-à-dire qu'il fallait que par moment il ait des repas qu'il avait moins bien notés pour qu'après un repas revienne qu'il aime beaucoup et ainsi créer, comme sur Terre, parfois on mange dans bof et puis après, ouais, super. J'ai trouvé que c'était très intéressant et très fin dans la gestion de l'alimentation. Ben oui, justement, c'est. On dirait pas comme ça, mais c'est vrai que. On ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir un long voyage dans l'espace sur l'ISS. Que ça, enfin, pour ceux qui ne savent pas, les voyages sur l'ISS, enfin, les séjours, durent entre 6 à 6 mois à 1 an. En fait. Donc c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir essayer de retransmettre un peu ce que nous, on vit sur Terre. Dans l'espace, et ça passe par des petites choses comme les repas, et comme vient l'expliquer Olivier, par différentes façons d'amener certains repas en fait. Et je trouve ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors, il paraît aussi que certains sur les cargos, alors je sais pas tous les combien, les astronautes sont réapprovisionnés aussi en fruits frais. Ils ont droit aussi à des fruits frais et pas que à de la nourriture. Tous les trois mois. Tous les deux à trois mois. Donc ça va quand même faire du bien. Une petite orange ou une petite pomme comme ça. Franchement, ça doit faire plaisir. Ça va vachement sympa. Mm. Alors je sais pas si ça sera un vrai problème d'ailleurs pour les voyages pour Mars, parce que là les cargos ils vont pas arriver tous les deux mois ou trois mois, mm-hmm. et donc tout ce qui est, on va dire, frais, et ça va pas être le cas, quoi. Donc ils font des progrès, hein, au niveau nourriture, parce qu'il y a 15 ans c'était que du yolophilisé et des boîtes de conserve. Maintenant il y a beaucoup plus de choses variées aussi, donc, oui. On parlait de, excusez-moi, on parlait de Tory Bruno tout à l'heure, et on parlait de comme quoi c'était quelqu'un d'extraordinaire et de très classe. Il vient à l'instant d'envoyer ses félicitations à la NASA et à SpaceX. Bien sûr. Vraiment un jour historique pour l'Amérique, c'est franchement très classe. Ah oui, non, parce que oui, c'est. Parce que c'est le concurrent un peu. Hein, oui. C'est le concurrent, mais c'est un enthousiaste. Ah voilà, oui, non, c'est surtout un space geek, Tory Bruno. Je pense pas qu'on puisse faire plus space geek que Tory Bruno. Ah oui, non, c'est sûr. Je voudrais demander à mes chers modos, est-ce qu'il y a des personnes qui sont... Alors, je vois pas grand monde dans le sas libre antenne, à part les modos. Mais n'hésitez pas, hein, dans le chat, si vous voulez venir parler lors de la libre antenne, venez. On vous écoute si vous venez poser des questions ou partager votre émotion à propos de ce live, ce lancement incroyable. Il y a un tweet d'Ariane Espace qui met « Congratulations ». Ah, super. Bravo. Ah, ils sont très classe. C'est très, très classe. Voilà. Il y a Rocket Lab aussi. Ah bah oui. Rocket Lab aussi. Peter Beck de Rocket Lab aussi, si on en parle pas. Et Tory Bruno. Voilà. Et Tory Bruno. Oui, comme on parlait. Ah, franchement, c'est chouette. Ouais, tu peux pas. Donc, même Yann Werner aussi. Yann Werner, on attend le tweet de Dimitri Rosgozzi. Ah.
Ah, ça va être peut-être un peu plus difficile parce que là, c'est sûr que le PDG, enfin le PDG, l'administrateur ou directeur, je sais pas comment on dit d'ailleurs, pour Roscosmos, donc l'agence spatiale russe, évidemment, avec le retour en vol des astronautes américains, ils vont perdre des sous. Voilà, parce que la NASA, faut rappeler qu'elle payait les sièges Soyouz jusqu'à présent. Et donc là, bah, ils vont payer de moins en moins. Oui, donc, bien sûr. Voilà, ça va quand même faire des sous en moins pour les Russes. Alors, qui est-ce qui vient de nous rejoindre ? C'est vrai, ça. Ah, monsieur le Dick. Il faut souligner que du côté russe, Rogozin, comme du côté américain avec Bridenstine, on a deux patrons de l'agence spatiale de Russie et des États-Unis qui sont des anciens politiques. Ouais. Des deux côtés. Rogozin était un élu, Bridenstine était aussi un élu. Alors Bridenstine a une formation quand même de pilote de l'armée, donc il a une formation un peu d'ingénieur. Mais on a un profil politique aux États-Unis comme en Russie à la tête des deux agences spatiales. Nommé par leur président aussi respectif. Exact. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, je crois que ça en dit un peu quelque chose sur la géopolitique spatiale en ce moment. Et c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Bon, comme la Chine ne tweete pas officiellement, du moins sur Twitter, on ne saura pas non plus ce qu'ils en pensent, mais... c'est compliqué, hein. Et pourtant, là, ils auraient une belle occasion de faire parler d'eux. C'est sûr, c'est sûr. Eh bien, pour l'instant, nous avons le droit à de magnifiques images. Donc, en fait, il y a Jim Bridenstine, donc l'administrateur de la NASA, qui était à l'écran avant. Donc, oui, l'amarrage, c'est dans 19h. Ça nous donne... J'ai pas regardé, ça nous donne quelle heure, ça. Heure française, normalement. Merci. J'ai pas mis à jour mon calendrier spatial. Si je me trompe pas, je viens de le voir sur le blog. 16h29 demain. Il y a Dasaju qui vient nous rejoindre. Ah, j'ai réussi à venir. Ça y incroyable. Est. J'ai pas raté le lancement. tu l'as vu ou pas ? Bah non, j'ai pas pu. Oh non, je viens à peine d'arriver à me connecter. Ils sont en orbite. Il a loupé. C'était ah, bon. Fin de carrière pour l'espoir français. Bonsoir. Hein. Salut Didier. Salut. L'image, hein, c'était au niveau. J'active le vocal, ça y est. Quelle idée de déménager un jour pareil. Alors Didier, qu'as-tu ressenti par rapport à ce lancement incroyable? Comment te sens-tu? C'était cool. Voilà, tout simplement. C'est vrai que c'était ça. Fait... que j'attendais de voir autre chose que des Soyouz pour envoyer du monde en haut, quoi. C'est vrai. Ça change. J'ai hâte de voir la deuxième partir maintenant avec du monde à l'intérieur. Oui. C'est vrai que... Fin août, normalement, je crois. Bon, Whitney, il y a eu la question sur le chat. Est-ce que tu feras le live pour le docking? Alors, c'est dans 19h. Ce serait 16h29, si j'ai bien compris. 16h29, si vous... Enfin... Monsieur Didier, ça va tomber en plein milieu d'un live qu'on a... Je sais pas. Je crains que oui. Sinon, quand je disais j'attends avec impatience le lancement de la deuxième, par la deuxième, je ne faisais pas référence à la prochaine capsule de SpaceX, mais à l'autre capsule qui est en cours de développement. La Starliner, ouais. Pour Starliner, ouais. Bah, je pense qu'il y aura la prochaine capsule d'abord. Il y aura sûrement le premier vol opérationnel SpaceX avant, malheureusement, le Starliner. Ça, c'est une certitude, oui, c'est sûr. Mais... Et bah, il faut qu'ils refassent un vol démo 1, du coup, Boeing, si je ne m'abuse. Et après ça, et bah, il faut qu'ils fassent leur démo 2. Donc, on a encore, malheureusement, pas mal pour de mois à attendre. Exactement. Donc là, en fait, donc, je viens de voir que le live est terminé, officiellement. Enfin, le live SpaceX NASA est officiellement terminé. Si vous voulez, enfin, d'habitude, je ne prévois pas de faire des lives un peu improvisés, mais vu l'événement exceptionnel... pourquoi pas, donc c'est à 4h, c'est ça, demain? Je ne sais pas, Yalisa. Je suis en train de chercher, donc le... J'avais cru 10h27. Ah, 10h27. 10h27, donc c'est ça, 16h27 le docking. 16h27, je vais le noter. Ouais. Et le... par contre, c'est 2h20 après, donc ça fait 12h45. Attends, je suis en train de regarder... Ça fait 18h45 pour l'ouverture du SAS. 18h45, ouverture du SAS. Voilà. Après, rien. Ben,
Bah, si ça vous dit, je voyais, si je puis me permettre, je voyais des commentaires par rapport à l'Europe. Ouais, comme j'ai vu, j'avais mentionné. Comme quoi l'Europe, on est en retard, on fait pas les choses et tout ça. L'Europe, moi, enfin, si je puis me permettre. Vas-y, vas-y. Enfin, je sais pas. En fait, t'es à la meilleure place pour le dire. Oui, bien sûr. Oui, plus ou moins, oui. On est tous européens. L'Europe, depuis très longtemps, elle n'a pas, enfin, depuis l'arrêt du programme Hermès, elle n'a pas de viabilité d'envoyer par elle-même des astronautes dans l'espace. Elle a décidé de faire de la coopération, et donc de la coopération au sein de l'ISS. Donc, jusqu'à présent, elle prend, on va dire, la participation à l'ISS avec un certain nombre de choses. Et elle, notamment, elle prend des sièges au niveau. À la NASA, en fait. Donc, elle paye des sièges à la NASA, qui, elle, payait jusqu'à présent des sièges aux Russes. Avec le retour en vol donc, des Américains, l'Europe va payer des sièges aux Américains directement, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est prévu que Thomas Pesquet et Mathias Maurer, qui sont officiellement annoncés sur des vols à venir avec les vaisseaux américains, voilà, ils vont faire ça, quoi. Pour l'instant, il n'y a aucun projet de fusée, ou du moins de vaisseau européen, c'est clair. Ce n'est pas dans la priorité de l'Europe. Oui, c'est sûr. Ah, en fait, c'est pour ça. J'aimerais dire, oui, j'ai remarqué. Oui. Moi... On ne t'entend pas bien, Olivier, ça saute un petit peu. Tu coupes un petit peu, Olivier. Allô ? Allô ? Ouais, est-ce qu'on a perdu les... Oh non! On a perdu Olivier! Le soldat sanguin ne répond plus. Ah! Oh! Oh! Ah! 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 Nous avons perdu Olivier! Oh! Pauvre Olivier! Un des deux, hein, parce qu'il en reste un quand. Oui. C'est vrai. Nous avons un Olivier de backup. C'est vrai, nous avons l'Olivier de secours. Tout à fait. Mais après, je voulais aussi préciser, c'est ça, enfin, en plus, par rapport à ce que disait Isabelle, c'est que c'est vrai, quand on voit que les gens ont tendance à comparer, oui, l'Europe, niveau habité, ne fait rien, en fait, il faut juste comprendre que ce n'est pas l'objectif en Europe de faire des vaisseaux habités. C'est vraiment, on envoie nos astronautes par le biais de la Russie ou avec les Soyouz et par le biais prochainement peut-être de la NASA ou de, enfin par le biais de la NASA et soit sur SpaceX ou Starliner prochainement. Mais en Europe, nous n'avons, enfin ce n'est pas le but de faire des vaisseaux habités, des lanceurs pour faire du vol habité. C'est pour ça, voilà. C'est pas le même but, quoi. C'est plus du fret ou vraiment de l'envoi de satellites, de l'envoi des sondes interplanétaires, de télescopes, mais pas d'habiter. La subtilité, peut-être, que Olivier voulait parler, c'est qu'en fait, l'Europe participe quand même au vol habité avec des vaisseaux, en fait, avec Orion. Donc, oui. Le vaisseau américain qui est prévu pour les missions lunaires. En orbite lunaire, donc c'est qui s'appelle Orion. L'Europe participe parce qu'ils ont construit la partie non pressurisée du vaisseau, donc qui est basée en fait sur l'héritage de l'ATV, qui était le cargo automatique qui s'amarrait à l'ISS à une époque. Donc l'Europe, on a fait 5 cargos automatiques ATV, automatique transport. Mince, j'ai un trou. Transport, oui. Transfert véhicule. Exact. Et voilà, j'avais un doute. Transfert véhicule. Merci, Ludovic, pour le sub. Donc, du coup, voilà, l'Europe est quand même dans les vols habités, on va dire, mais pas en disant je fais un vaisseau à moi tout seul, je participe. Donc, c'est bien dans l'esprit de coopération. L'Europe coopère. Voilà. Et moi, je trouve que c'est bien. Voilà, oui. Moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est pas plus mal, on dépense moins d'argent, mine de rien. Exactement. Et c'est vrai. Voilà. Et au moins, c'est plus international. Moi, j'aime bien. Je voulais rajouter, parce que je vais devoir vous quitter, je dois intervenir sur France Info bientôt. Ah, oh la star.
Bah ouais, là. Le professionnel, c'est lui. C'est lui. Non. Excusez-nous. Mais ce que dit Isabelle est très intéressant, mais j'ai remarqué que depuis quelques années, pas très longtemps, il y a aussi une modification du discours des industriels européens qui était en effet avant, on est en coopération, ça nous convient. Et c'est vrai qu'on est devenu aujourd'hui, l'Europe est devenue un partenaire pris au sérieux par la NASA. On fait quand même le module de service de leur capsule Orion, c'est pas rien. C'est-à-dire, c'est la sûr. Vie des astronautes dépend de ce truc-là. Mais il y a aussi maintenant les industriels qui commencent à dire vol habité, nous industriels européens, que ce soit Airbus, Thales, Alenia Space, les sous-traitants, ils disent on a les compétences, on attend un feu vert politique. Et ça, c'est un nouveau discours. C'est vrai. Ouais, c'est pas encore trop. Enfin, ouais, je l'entends. Comme... Je le sens pas quand même un super élan envers ça. Oui, mais on voit quand on voit le patron d'Ariane Espace qui dit que Ariane 6 peut faire du vol habité. C'est vrai. Tout à fait. Stéphanie Israël, il se mouille. Oui, c'est là, vrai. Hein, dit, c'est vrai. On verra. On verra. Ouais. Alors, on me demande le graphique. Je vous dis au revoir jusqu'à tout à l'heure. Merci Olivier. À merci plus, beaucoup. Olivier. De rien. Merci. Bye bye. Donc, je précise à propos de ce graphique, en fait, c'est toutes les phases d'ajustement d'orbite en fait de la capsule jusqu'à en fait le docking à l'ISS. Donc, vous avez les phase burn. En fait, c'est lorsque la capsule va aligner en fait son orbite sur l'orbite de l'ISS. Ensuite, donc, il y a le boost burn, et ensuite, c'est vraiment des corrections de trajectoire, pour vraiment, c'est des ajustements, pour que la capsule, au final, arrive près de l'ISS, et à se docker, et arriver tranquillou. Alors, qu'est-ce qui vient de nous rejoindre Nous avons Robin, alias le Rouflandais, qui vient de nous rejoindre, et qui a une question. Bien sûr. Hello. Salut. Alors, moi, je vais poser une question très simple, mais également assez complexe, c'est s'il y a un souci actuellement, avant de s'amarrer à l'ISS, qu'est-ce qui est prévu ? Alors, d'après ce que j'avais regardé, normalement, en fait, s'il y a des... avant de s'amarrer, il y a ce qu'on peut voir à l'écran, déjà des waypoints, donc c'est-à-dire il y a plusieurs waypoints, donc, il me semble qu'il y en a un, deux, trois, quatre, alors je ne sais plus du tout, attends, je regarde, il y a le waypoint 1... Ça, c'est pour l'amarrage, c'est... les waypoints. Mais c'est en fait, différentes sphères de sécurité. C'est ça, en fait, il y a ce genre de... Ta question, c'est pour avant l'ISS ou oui, c'est ça, vraiment c'est... avant l'ISS ? Oui, avant l'ISS. Imaginons que, par exemple, lors du premier waypoint, on se rend compte qu'il y a un problème sur les moteurs. C'est les Draco, non ? Je ne sais plus. C'est les Draco. Ouais. Ils auront été allumés bien avant les Draco. Oui. Mais... après, pour ce genre de problème, je sais pas trop. Alors, j'entends plus personne. Et est-ce que c'est mon Discord qui... Si. Je pense que tu es encore là. En fait, de mémoire, vu qu'ils sont sur une orbite stable, ils sont safe actuellement. Donc, si jamais il y avait un problème qui nécessiterait de désorbiter la capsule avant l'arrimage, ils sont sur une trajectoire et ils le feront au moment, sauf si c'est vraiment l'urgent, genre le feu ou je sais pas quoi. Parce que je veux dire, auquel cas, là, je pense que tu appuies sur les boutons en mettant la capsule dans le bon sens, tu vas allumer les super Draco, ça va te désorbiter le plus vite possible, parce que tu vas repartir avec une orbite qui ne sera plus, qui sera suborbitale et plus orbitale. Exactement. Mais sinon, je pense que s'il y a un problème qui n'est pas vital, ils vont attendre de désorbiter au moment où la capsule, on est sûr qu'elle va atterrir à l'endroit où il y aura des gens pour la récupérer et pas au milieu de je ne sais pas quel continent. Oui, tout à fait. D'accord. Après, c'est pour ça, les waypoints, en fait, c'est plusieurs points d'arrêt pour vérifier que tous les systèmes sont bons, tous les capteurs sont bons, que la vitesse relative entre la station et la capsule sont tout à fait compatibles. Là, à l'heure actuelle, effectivement, ils sont sur la Terre, ils ont leur vitesse. Il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose, quoi. Ouais. C'est seulement quand tu vas commencer à vouloir augmenter l'orbite, mais en fait, ça se fait par petites touches. Tu allumes les moteurs quelques secondes et hop, tu accélères. Donc, du coup, tu vas augmenter ton altitude. Et ils vont faire ça régulièrement, là, d'ici pendant 19 heures, quoi. C'est ça. Enfin, ils vont faire quelques manœuvres, quoi. D'accord. Donc, merci. Ça répond à ta question, Robin ? Oui, globalement. Les waypoints, en fait, c'est des espèces de sphères autour de l'ISS. Je crois qu'il y en a une à 10 km et après, il y en a plus proche.
approche à 220 mètres. Une à 220. 400, une à 220. Et après, c'est 20 mètres l'arrêt, je crois, un truc comme ça. 20 mètres, c'est en gros, personne n'a le droit de rentrer à moins de passer à moins de 10 km de l'ISS sans avoir une autorisation. pour y rentrer, après, tu t'arrêtes à 400 mètres et tu vérifies que tout va bien, parce que si jamais il y a un problème, c'est suffisamment loin pour que... Après, je crois que c'est 220. Après, tu es obligé de couper tes moteurs et d'utiliser que les RCS, donc le contrôle fin d'attitude, parce que démarrer un moteur à côté de l'ISS, les panneaux solaires, c'est fragile, donc tu n'as plus le droit, tu es obligé de tout couper. Et en gros, après, tu vas à la rame, si je puis dire, pour t'arrimer le plus doucement possible. C'est ça. Ah, bah, je vois que tu as répondu à Ludovic. Oui, donc, oui. Ok. Et pour ceux qui ont envie de s'amuser un petit peu à se prendre pour les astronautes qui sont en ce moment en orbite, il y a SpaceX qui propose un jeu en ligne pour s'essayer au docking de Crew Dragon à l'ISS. Alors je sais pas, j'ai pas le lien tout de suite, si quelqu'un a le lien. Je peux te le retrouver, moi je l'ai lien, mis dans mon article. SpaceX Game. Hop, Docking Simulator. Je vais vous sortir tout de suite. Hop, copier. Voilà, merci Wendell, bon. Merci. Ah, yes. Plus rapide. Ouais, et pour répondre à Ludovic, ils peuvent rester au maximum 118 jours, qui est la durée maximum qualifiée par la NASA sur cette version de la capsule. Pour une histoire de durée de vie des panneaux. Des panneaux solaires ? Ouais, ils sont qualifiés que pour 118 jours sur cette version-là, et sur la prochaine, ils vont essayer de l'augmenter pour pouvoir tenir 6 mois. Ok, ça je savais pas. Oh, c'est cool. Bon, on va dire, parce que bon, aussi il faut rappeler, ça reste un vol de test. Hein. C'est officiellement, il me semble que c'est la dernière étape avant qu'elle soit qualifiée. Si je ne m'abuse. Oui. Le prochain vol est ce qu'on appelle un US CV One, donc US Crew Vehicle One, c'est le premier vol opérationnel 1. Voilà, ok. Avec 3 astronautes américains et 1 japonais. Ouais. Yeah. Oui, c'est ça, exactement. Et tous des comment on va dire, des ouais, vétérans. Tous des vieux routes. Voilà, et dont une femme, à noter. Tout à fait. Dont voilà. Une femme. Et je crois que Corentin, tout à l'heure, il a dit qu'il voulait que Thomas allait voler dessus. Il me semble que Thomas va voler sur Star. Non, il a été retiré. Enfin, ça a été modifié, je crois. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement. Lui-même. Alors, il vient d'y avoir un tweet de lui qui dit Dragon est en orbite. Bravo à toutes les équipes NASA SpaceX. J'enclenche mon compte à rebours. Spoiler. En fait, il y a eu quelques bruits dernièrement comme quoi il passerait sur Crew Dragon. Ah oui. Il y a rien, il y a absolument rien d'officiel, mais c'est you know. De toute façon, que ça soit l'une ou l'autre, quand Starliner volera, je suis sûr qu'elle sera aussi fiable que la Crew Dragon. Ah bien sûr. Faut pas croire Boeing, c'est pas des tocards, faut pas exagérer. Même si en ce moment ils sont un peu au creux de la vague pour un certain nombre de problèmes qui sont à mon avis pas techniques mais plus organisationnels. Bref. Quand elle volera, elle volera aussi bien que la Crew Dragon. Je vous entends plus. Ah, tu sais. Non, t'entends en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai quand même hâte de voir un petit peu ce que ça va donner sur Starliner, parce que j'étais quand même assez hypée avec les vidéos de Everyday Astronaut, qui a même pu essayer la combinaison Starliner. Et par contre, il n'a pas pu essayer la SpaceX. Parce que les SpaceX sont vraiment en fait sur mesure, mais vraiment sur mesure. Oui. Donc ils peuvent pas vraiment essayer ce genre de combi. Mais c'est vrai que je trouve que au niveau de la communication, avant qu'il y ait des problèmes avec la Starliner, tout ça, il y avait une bonne com dessus. Et je trouvais ça assez intéressant en fait que justement ça changeait un petit peu du côté SpaceX, de ce qu'on connaît entre guillemets. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Même si en ce moment, Boeing, il y a énormément de problèmes autant en spatial qu'en aviation. Donc, à voir. Comme on dit, wait and see. Et bon, j'espère que ça va bien se passer. On croise les doigts. Hein. On croise les fesses. Voilà. À noter qu'il y a Sergei Krikalev qui est le directeur du exécutif côté vol habité russe qui a adressé ses félicitations à Crew Dragon, enfin pour le succès de Falcon 9 et de Crew Dragon.
ok. Voilà. Oh, c'est cool. Alors, Sergueï Krikalev, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a été... enfin, c'est le Russe qui a été dans le premier équipage il y a 20 ans de l'ISS. Donc, l'équipage permanent de l'ISS. Donc, il a 5 vols, sauf erreur, à son actif. Et il a, pendant longtemps, été le recordman de durée dans l'espace, en fait, en temps cumulé. Donc, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. Et c'est qui détient le record aujourd'hui? C'est un Russe à quelques, presque 900 jours. C'est Gennady Pedalka. Ouais, 900 jours, pas loin. Et après son dernier vol, d'ailleurs, il avait dit « Bon, alors, j'y retourne quand pour faire 1000 jours ?» Puis finalement, depuis, il a donné sa dème, enfin, où il est parti à la retraite. Donc, ce ne sera pas lui, mais voilà. Alors, on me demande « Boeing a-t-il vu trop gros, trop grand et puis trop vite ?» Non. Bah, je pense pas, c'est juste qu'il y a des problèmes, enfin, ça a resté des vols de test, hein, entre guillemets. Donc c'est normal d'un côté que... après, moi je te parle de Starliner, hein, je te parle pas d'aviation. Après, bah, c'est normal, entre guillemets, qu'il y ait des... justement, vaut mieux qu'il y ait des échecs maintenant que des échecs en vol, hein, de toute façon, comme on dit. C'est ce genre d'échecs qui font, qui font que la capsule sera de plus en plus fiable au fur et à mesure, quoi. Donc, peut-être pas, non, c'est juste que oui, ils ont pris beaucoup de retard parce que, bah, y a pas mal de problèmes en interne aussi, hein, mais bon, à voir. Donc, Pour répondre à Ludo, son DM à Starliner, bah, faut déjà qu'ils aient une autre capsule de prête. Il faut qu'ils rachètent une Atlas 5 et ça se trouve pas sous le sabot d'un poney. Une Atlas 5, il faut donc demander à ULA d'en refabriquer une. Coucou Thierry Bruno, t'aurais pas une Atlas 5. Voilà, c'est ça, avec deux moteurs russes d'ailleurs. Oui. Hein, je dis ça, je dis rien. Voilà. Et je pense que le problème, il est plutôt sur l'habitude que Boeing a. Alors, c'est le moment du sel, hein, sortez vos salières. Que l'habitude que Boeing a. Et l'autre Olivier en a parlé, Monsieur Sanguy, tout à l'heure, en disant qu'il y a eu un changement sur le mode de contrat de la NASA, qui était maintenant en contrat où il faisait « je veux faire ça, combien ça coûte ?» et c'était un prix fixe. Avant, c'est ce qu'on appelait les contrats « cost plus », c'est-à-dire que, en gros, c'était « combien tu me le fais ? Attends. » OK, et le prix était réajusté. James Webb est sous ce cas-là. C'est pour ça qu'il a dépassé ses budgets de manière stratosphérique. Oui. La SLS est exactement sur le même contrat. Et Boeing est habitué en interne à bosser avec ce type de contrat où, en gros, quand tu demandes, on te redonne des sous. Ce qui n'aide pas, je pense, mais ce n'est que mon avis, à finaliser correctement et essayer de faire au mieux. Ouais. Oui, je pense que c'est un changement, c'est sûr, de une façon de fonctionner au niveau Boeing. Et ils ont peut-être eu un petit peu de mal à s'adapter. Ouais. C'est vrai. Alors, je regardais, il y a des magnifiques... je vois des magnifiques visuels sur Twitter par Supercluster HQ. Magnifique comparaison de lanceurs en version Blueprint. Allez voir si ça vous intéresse. On a eu un autre call-out du Mission Control, un truc très mineur. Hein. Le second étage a été désorbité avec succès. Il est en train de rentrer dans l'atmosphère à ce moment même. Ah, bon. Au moins, c'était... Enfin, pas encore, il est en train. Je dis bêtises. Est-ce que nous avons d'autres personnes qui veulent venir en libre antenne? Parce que je pense qu'on ne va pas trop tarder à terminer. Ce serait cool qu'on puisse, je sais pas... j'aimerais bien assister au... Peut-être si on peut peut-être voir passer la capsule au-dessus de Toulouse. Je ne sais pas. On va voir. C'est quoi là? C'était 23h09 au-dessus de... c'était 23h16. Entre 23h16. 23h16. Donc, je ne sais pas. Si vous... Enfin, peut-être poser les dernières questions. Et si vous voulez, je vais peut-être essayer de faire un live si mes invités, chers invités, veulent venir faire le live... un live docking. Si ça vous dit. Ouais. Ludo, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils peuvent abandonner soit l'un des deux, donc genre Starliner qui n'a pas volé? La réponse est non, parce que la dernière fois qu'ils n'avaient qu'un seul lanceur, c'était la navette, et on a vu ce que ça a donné quand il y a eu un problème. Oui. Donc ils veulent absolument avoir deux lanceurs de deux sociétés différentes pour être sûr que si jamais l'une a un problème, parce que Species Hard, on sait que ça peut arriver, un problème, il faudrait que l'autre puisse continuer à voler. C'est ça. Exactement. Sécurité avant tout. Et même si c'est pas forcément ultra économique de financer deux capsules alors qu'il y en a une qui est déjà en état de vol, il faut quand même, voilà, pas oublier que la redondance, c'est le meilleur allié dans le voyage spatial.
C'est surtout qu'il faut toujours un Américain dans l'ISS, et si tu n'as plus de siège sur Soyuz, tu fais comment? C'est ouais. Ça, exactement. Donc s'il y a... profitez peut-être de, pour poser vos dernières questions dans le chat. S'il y en a qui veulent peut-être poser une dernière question en libre antenne, n'hésitez pas. Et donc, je vois que... Est-ce que c'est pas le genre de... Je comprends pas la remarque de Le Gonfleur sur les A changé entre Cest et Sariner en vaisseau. Les... Je comprends pas ton commentaire. Sur les articles qui parlent de l'entraînement de Thomas Pesquet, je viens d'aller voir, où avant on savait que c'était CST-100 sur le vaisseau de Boeing, maintenant c'est l'expression un vaisseau habité commercial de SpaceX ou Boeing. Ouais, oui, et de plus, il tweet quand même énormément de phrases par rapport à lui sur la Dragon Crew actuellement. Il n'y a rien d'officiel, mais... C'est un peu logique, parce qu'à l'heure actuelle, au mieux, déjà le Starliner vol d'essai qu'ils doivent refaire, au mieux, il sera à la fin de l'année. Derrière, il faut qu'ils fassent leur premier vol d'essai avec l'équipage, ça sera au printemps 2021. Et donc, le premier vol Starliner opérationnel sur lequel devait avoir lieu, devait monter Thomas Pesquet, ça sera du coup pas avant fin de l'année 2021. Donc, si on respecte l'ordre, et en fait, il a été annoncé plutôt pour printemps 2021, qui correspondrait plus au deuxième vol opérationnel Crew Dragon, si tu respectes le calendrier, et sans tenir compte des vaisseaux. C'est vrai. Donc, c'est assez logique. Alors, il y avait Ori TV qui se demandait dans le chat, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours un Américain dans l'ISS? Et alors, c'est plus une question de politique qu'autre chose, mais je vais laisser les gens qui s'y connaissent bien répondre. Oui, c'est politique. C'est contractuel, je crois même. C'est politique, contractuel. En fait, l'ISS est un système de coopération. Donc, il y a des modules, il y a une partie russe, il y a une partie américaine essentiellement. Derrière, il faut toujours la maintenir, il faut maintenir ces systèmes, donc il faut qu'il y ait au moins un Américain dedans. Enfin, je pense que c'est aussi opérationnellement, il faut qu'il y ait quelqu'un, enfin, si possible, quelqu'un dedans. Oui, parce qu'il y a deux Capcom, si mes souvenirs sont... Il y a le Capcom russe et le Capcom américain. Tout à fait. L'ISS, c'est trois membres d'équipage minimum, au moins un russe et un Américain. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir genre deux Russes et un Européen, c'est un... il faut un Américain, un Russe et quelqu'un d'autre jusqu'à 9, je crois que c'est 9 places. Ouais, ils ont été jusqu'au moment des navettes spatiales, je crois qu'ils ont été jusqu'à... Ils dormaient dans la navette, il y en a qui dormaient dans la navette, je parle en habitation, en habitabilité propre, je crois que c'est 9 l'ISS. Ils ont fait 9 l'année dernière, par exemple, ouais, au moment de l'astronaute Emirati, ils ont fait jusqu'à 9. Ouais. C'était pendant une rotation des Soyuz, si je ne m'abuse, non? Alors, c'était plus compliqué que ça, c'est que donc il y avait un astronaute, on va dire, un peu invité, qui était des Émirats Arabes Unis, qui venait pour un vol court de 8 jours. Donc, en fait, il est monté avec un vaisseau, mais il revenait avec un autre vaisseau, finalement. Donc, entre deux, ils ont été neufs. Enfin, ça a été toute une rotation d'équipage un peu compliquée. Ça avait eu lieu aussi au moment du vol du Danois Andreas Mogensen de l'Agence spatiale européenne, parce que lui aussi, il avait fait que 8 jours dans l'espace. Donc, c'est un petit peu plus compliqué dès qu'il fallait être, on va dire, à 9 et avec seulement des Soyuz, quoi. J'ai une question par rapport à ça. Vas-y. Vite fait. Tu viens de dire qu'il changeait de vaisseau. Ils changent les sièges aussi dans les vaisseaux, ils les démontent ou comment ça se passe? C'est ça. Oui, parce qu'en fait les sièges en fait sont moulés en fait, enfin les astronautes en fait, les sièges sont moulés sur le corps des astronautes en fait. Donc en fait c'est pour chaque astronaute, il a son siège. Donc c'est pour ça qu'ils changent les sièges. Il y a aussi une question de fiabilité du vaisseau aussi. Il y a toujours sur l'ISS, si je m'abuse, il semble qu'il y a toujours deux Soyuz qui sont amarrés en permanence. Mais de temps en temps, en fait, les vaisseaux arrivent à leur date. Non. Pardon ?
Non. Les Soyouz, c'est tu montes avec un vaisseau, tu redescends avec un vaisseau. Il y a autant de sièges que d'astronautes. Exactement. Il n'y a jamais un Soyouz vide. Si, c'est arrivé une fois parce qu'il y avait eu un problème sur un Soyouz et qu'il a fallu en remonter un autre à vide. Ah oui. Oh, ok. D'accord. Ouais, non. En général, justement, voilà, ils montent avec un Soyouz, ils redescendent avec le même. Alors, mais quand il y a des invités, des petits séjours, il y a un changement de siège voilà, entre Soyouz. Quoi. Ce qui a été le cas l'année dernière. Ils montent à deux, ils redescendent à trois. Ça arrive. Oui, il y a plusieurs trucs différents, ouais, effectivement. Je vais vite fait faire une petite parenthèse magazine. Je vais vous parler d'Espace Exploration. Je fais une petite pub parce que j'aime beaucoup la rédactrice en chef et j'aime beaucoup surtout le magazine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Espace Exploration, le meilleur magazine papier, également en PDF, sur l'actualité spatiale. Donc reportage, interview exclusive, vraiment plus complet qui existe. Donc ça, c'est le dernier numéro, vous pouvez voir. Et je vous mets le lien, j'ai fait une petite commande... Wazebot, et vous pouvez retrouver si vous voulez vous abonner. Honnêtement, je vous conseille fortement de vous abonner à ce magazine. Je ne suis pas payée pour le dire, mais c'est juste vraiment coup de cœur total, vraiment. Donc, et la plupart des rédacteurs ne sont pas payés non plus pour exactement. Écrire dedans. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on est... Le premier allumage des dracos vient d'être effectué et correct. Ah, super. Voilà. Yes. Donc là, déjà, ils ont pu tester et dire on continue. Nostra qui demande dans le chat, pourquoi est-ce que l'orbite elle monte et redescend? C'est une histoire de mécanique orbitale en fait. Enfin après je sais pas si le diagramme il veut dire spécifiquement oui, quelque chose. C'est pas... Là c'est peut-être juste une illustration. Hein. C'est peut-être l'ellipse, ouais, c'est vrai que c'est peut-être l'ellipse. Mais je sais, honnêtement, je sais pas. Je suis pas encore professionnel en astrodynamique, je ne peux pas encore vous en parler. Kerbal anyone? C'est un peu ça, ouais. Ah, désolé, plus l'aspect, c'est clairement illustratif. Oui, oui, c'est vraiment une vraie. Même si les orbites ne sont pas forcément circulaires au sens où, genre 400 km partout, les orbites sont toujours avec un point haut et un point bas, qu'on appelle apogée et périgée. L'apogée étant le point le plus haut où tu es le plus lent, et le périgée étant le point le plus bas où tu es le plus rapide. Là on rentre en mécanique orbitale donc c'est peut-être pas le moment, mais une orbite parfaitement circulaire c'est très très rare. Oui. C'est très très compliqué. Et très compliqué j'allais dire, ouais. Eh bien je pense qu'il est peut-être temps de finir sur ces bonnes paroles. Je remercie mes très chers invités, merci à Olivier qui est parti, merci Olivier Heidendahl, merci Isabelle, merci beaucoup. D'être encore là aujourd'hui. J'invite encore mes invités, si vous voulez revenir demain pour le docking, n'hésitez surtout pas. Je remercie également Alexandre d'être venu. Alexandre qui est modérateur et également membre de PogScience. Merci beaucoup. Vous remercie, vous, très chers viewers, pour les follow, pour les abonnements et juste le fait d'être là. Merci beaucoup. Alors, on a eu un pic à plus de 300 viewers aujourd'hui. C'est incroyable. Je crois que c'est jamais arrivé sur cette chaîne. Ça fait un mois et demi que je tiens cette chaîne. À 361, incroyable. Merci beaucoup, vraiment. Nouveau record. Nouveau record, exactement. Et je vous dis à demain. C'est parti pour un live docking. Et on sera peut-être pas aussi long que je sais pas si on fera jusqu'à l'ouverture de la capsule, je sais pas encore. Ce sera un peu au feeling, on verra. Et merci beaucoup encore, vraiment. Et on se dit à très vite, c'est-à-dire à demain. Bisous.